on va pas se mentir. Tu peux start, let's go. Et voilà, ce sera l'occasion de le rencontrer en même temps, hein. Et de négocier un meilleur contrat, les gars. Bah ouais, hein. Ça va négocier, hein. Qu'est-ce que je vous dise, hein. Ça va négocier un meilleur contrat, hein. Allez, on est parti. En termes d'annonce, aujourd'hui, c'est un banger. Mais ça, c'est annoncé depuis longtemps, hein, tu sais. Hein. Juste que vous avez pas forcément eu l'info, mais ça fait 3 semaines, j'en parle, je pense. Hein. Mais ouais, il y a des petits trucs sympas quand même à faire aujourd'hui. Il y a des petits trucs sympas. Et puis la semaine prochaine, les gars, oubliez pas, il y a la Cité des Pixels, hein, qui commence, hein, c'est samedi prochain. Donc bon, j'espère que vous serez là. J'ai encore rien foutu. Voilà, il faut savoir que j'ai rien préparé encore. Mais bon, on verra bien. J'ai pris mon train, c'est le plus important. Voilà, j'ai pris mon train pour aller à l'événement. C'est tout ce qu'il faut savoir. Après le reste, on avisera sur place. Je vais sûrement galérer à installer mon matos comme d'hab, mais bon, hein. La semaine prochaine, il y a les bacs surtout. Oui, mais bon, bah le week-end, t'as pas le bac, Go, quand même. C'est de quoi, quand le bac? Les dates du bac exact, c'est quoi? Juste avant que ça starte, t'as vu mes derniers messages sur Twitter? Non, pas du tout, Griffon. Je les ai pas vus. Je t'avoue que j'ai été un peu pris aujourd'hui, donc j'ai pas vu, non. J'irai voir après le live, hein. 18, 19, 20. Ok. Et l'oral, ça dépend. Ouais, l'oral, c'est genre en fin du mois, non? C'est pas un truc comme ça, de base? Le bac, faut réviser quand même. Bah, bien sûr. Bien sûr. Mais oui, mais c'est ça. Du coup, c'est bon. 19, 20, 21. Enfin, 18, 20, 20, 21 et tout ça. Bah, c'est bon, ce sera passé. Genre, c'est juste la semaine prochaine, en plein milieu de la semaine, quoi. Ouais, d'accord. Donc, bah, le week-end, c'est bon, vous avez plus rien, du coup. Bah, c'est bon, alors, nickel. Bah c'est parfait, c'est ce que je voulais savoir, moi. Et l'oral entre le 26 et le 3 juillet. Ouais, bah c'est bon. C'est quoi l'oral du bac déjà? Parce que moi j'ai pas passé l'oral du bac. En fait, à l'époque où j'ai passé le bac, y avait pas ça. C'était juste 10 000 épreuves écrites et c'est fini. Et toutes mes épreuves orales, c'était avant. C'était genre en février, mars de l'année, quoi. On peut déjà faire un don pour la Cité des Pixels. Ouais, mais bon. Attendez les donation goals, en vrai. Attendez les donation goals un peu. Moi, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Je pense que je vais pas mettre beaucoup de donation goals, hein. Franchement, je pense que je vais pas en mettre beaucoup parce que... Bah, en fait, déjà, j'ai pas envie de mettre de donation goals IRL, déjà. Parce que je vais pas pouvoir les streamer, vu que j'ai pas de matos pour. Donc, il faut que je mette des donation goals en rapport avec les events ou les trucs comme ça. Sauf que vu que j'ai déjà un planning qui est complètement rempli, bah, je vais pas pouvoir en mettre, quoi. Tu dois faire 2 sujets sur tes 2 matières de terminale. Ah oui, c'est ça, c'est des sortes de grands taureaux, un truc comme ça, tu vois. Je passe mon brevet dans pas longtemps, tu aurais des conseils? Bah, si tu as révisé toute l'année, normalement ça devrait se passer, Simon, mais sinon, t'inquiète pas, hein, crois en toi et ça va le faire. Hein. Ça, y a pas de soucis, hein, t'en fais pas. Tout le monde te dira que le brevet c'est très facile, etc. Après, c'est normal d'avoir un petit peu de stress, hein. C'est normal, hein. faut pas s'étonner, c'est le premier grand examen que tu passes. Donc c'est normal. Après, faut pas avoir peur et t'inquiète, ça va se passer, quoi. Dis-toi que l'examen que tu vas passer là, ensuite tu vas quasiment le repasser tous les ans, quoi, en gros. Hein. Sauf en seconde, mais sinon tous les ans, après, tu auras des examens similaires. Hein. Première, tu vas avoir un examen comme le brevet. Terminal, t'as un examen comme le brevet. Du coup, bah, tout à la fin de chaque année. Et après, quand t'es en études supérieures, j'en parle même pas. T'as des examens tout le temps en permanence. Donc voilà. Le brevet, en vrai, c'est easy, mais on capte le stress. Hein. Après, ça peut vous paraître easy à vous, mais après, il faut bien se dire un truc, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas la même notion de difficulté. Il y a des gens qui peuvent galérer éventuellement. Donc bon. Oui, c'est sûr que c'est l'examen le plus facile, ça c'est sûr et certain. Par rapport aux connaissances. Hein. Après, voilà. C'est normal de stresser, mais faut pas avoir peur. Franchement, ça va le faire. Vous verrez, il n'y a pas de souci. Dites-vous un peu, dites-vous que ça vous servira d'expérience quoi qu'il arrive en fait. Voilà. Vivez-le comme une expérience en mode on va vivre quelque chose qu'on n'a jamais connu. Et ça, je vous jure que ça va vous faire voir la chose d'une manière différente un peu. Donc bon. Nous, pour le brevet, on va voir la réforme. Du coup, on a le seum. C'est quoi la réforme? J'avoue que j'ai pas du tout suivi, hein, je veux pas vous mentir. Donc bon, la SSR c'est plus simple que le brevet. Oui mais non, mais la SSR, vas-y, enfin... La SSR quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu mets ton prénom sur la feuille, tu l'as quoi, donc bon. Je stresse plus à l'écrit qu'à l'oral, c'est normal ça? Non, pas spécialement, il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'oral, hein. Moi je peux te comprendre. Hein. J'ai pas spécialement été à l'aise à l'oral, mais enfin quand j'étais en tout cas en cours, mais je pense que maintenant je serais plus à l'aise à l'oral pour faire un examen oral ou en discutant que à l'écrit, je pense maintenant. Donc voilà. Nous, les 2005, on l'a eu pendant le Covid, donc on l'a pas passé. Ouais, mais c'est comme ceux qui ont passé le bac pendant le Covid. Hein. Tous ceux qui ont eu le bac gratos, évidemment. Hein. Tous ceux qui ont eu le bac vraiment gratuitement. Bon, les gars, vu qu'on est en City World, il faut que j'aille au 0-0 chercher les tables d'enchant, des trucs comme ça. Il va falloir que vous me guidiez, là. Quel bac, hein. Ouais, vous avez eu de la chance, là. Hein. Vous avez eu de la chance, hein.
Ceux qui ont passé leur bac pendant le Covid, punaise. Moyen, tu expliques mieux la cité des pixels, j'ai pas compris, c'est IRL et c'est une cité comme les autres. Exactement, Quiet. En fait, en gros, c'est une cité comme les autres. C'est-à-dire qu'en gros, on va tous se retrouver sur un serveur Minecraft hein, et ce sera de midi à 2h du matin tous les jours. Donc vous verrez le live à ce moment-là, quoi. Du samedi 22 au mardi 26. Jeudi 26, pardon, je crois que c'est ça. 25, enfin, je sais plus, bref. En tout cas, c'est du samedi au jeudi. Donc c'est pas mal, il y a beaucoup d'heures de jeu quand même. Hein. Sauf que la particularité, c'est qu'en fait, on va tous être dans la même pièce. Enfin, dans la même salle. Pas la même salle, mais en gros, vous voyez les bâtiments d'école, par exemple, votre lycée. Et ben en gros, imaginez votre lycée avec une salle qui est réservée pour une équipe. Et en gros, il y a 16 équipes au total. 16 salles qui sont réservées. Et on va jouer pendant une semaine dans les mêmes salles. Avec notre équipe, on va être dans la même salle. C'est-à-dire que moi, je vais être dans la même salle que Jimmy, Martin, Nagato, enfin Pong du coup. Nagato du coup comme j'ai dit Soul Stealer et Harry Lafranc pendant une semaine. Bon on sait pas si Soul s'il sera là ou pas, mais il nous a dit il y a deux semaines que ça devrait être le cas. Donc bon, après c'est du Soul, hein, je m'attends au dernier moment à ce qu'ils nous disent voilà. C'est une Zilan un peu, c'est une sorte de Zilan mais cité si tu préfères hein. Voilà, c'est une Zilan cité sur Minecraft. Donc c'est cool hein, franchement on va découvrir un truc. Ce qui fait que si on a envie d'insulter une équipe, on a juste à sortir dehors et on va les insulter quoi. En gros c'est un peu l'idée. Voilà. Si on a besoin d'insulter on fait comme ça quoi. C'est qui Soul Stealer? C'est un très 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 vieux youtubeur Minecraft. Vraiment un vieux de la vieille, mais comme vous avez certainement jamais connu. Mais c'est un vieux youtubeur Minecraft qui est dingue en fait. Hein. C'est pas une musique Zelda. C'est tout à fait une musique Zelda, Titouan. C'est une musique de Zelda Spirit Tracks. Un jeu sur DS hein, où t'avais un petit train et tout, donc ouais. Ticket d'or, on l'a déjà fait, CC. On l'a déjà fait avant. Mais t'étais sûrement pas là. Mais on l'a fait, ouais, tout à l'heure. T'as fait quoi comme études? Bac S, après je suis parti en études pour faire des études d'informatique et en fait ça m'a pas carrément pas plu du tout, donc je me suis réorienté et je suis allé faire un DUT MMI, ce qui maintenant s'appellerait BUT MMI. Et en fait j'ai appris plein de trucs qui me servent maintenant au quotidien, genre notamment sur le graphisme, sur le montage vidéo, sur bon, le développement je m'en fous un peu mais voilà. Même on avait des matières, c'était de la communication et tout, enfin bref il y a eu plein de choses. Par contre c'est où les tables d'enchant les gars? Non, pas Steelers, Souls Stealer, c'est pas le même. Steelers, c'est un Canadien. Souls Stealer, c'est un Brésilien, c'est pas pareil. C'est un Brésilien, Souls. Mais c'est où le... Ah, c'est là-bas, non? C'est là-bas, je crois. Souls, c'est Kay, le gravier. Non, ça, c'est Harry. Le gravier, c'est Harry. Souls, c'est... Souls, c'est... Un mec qui se faisait tuer AFK dans les KTP, quoi. Par contre, c'est où le... C'est où les tables d'enchant, les gars? Vous pouvez me guider vers une table d'enchant pour ceux qui connaissent le City World? Faudra quand même que tu m'expliques comment tu as fait pour savoir faire des vidéos et les études. Bah je faisais ça le soir, c'est à dire qu'en fait tous les soirs quand je rentrais bah j'étudiais. Une fois que j'avais fini d'étudier je faisais ma vidéo de la semaine ou mon stream de la semaine. Et voilà, ne fais pas de pioche. Oui mais il faut que je trouve la table d'enchant déjà. À gauche, là-bas. Mais c'est là où j'étais, proche de l'eau dans les bâtiments. Bah ouais mais c'est bizarre parce que c'est vraiment l'endroit où j'étais. Ah c'est peut-être là-bas non? Bah non mais attends. Putain mais je suis vraiment gaze à ce point là. Peut-être là-bas. La première fois j'avais trouvé hyper facilement, bah là je trouve plus du tout quoi. C'est cataclysmique quand même. Mais du coup voilà, donc c'est... J'ai fait ça, en fait je faisais ça la nuit tout simplement. Oh il y a des toiles d'araignée, je vais récupérer pour des fils déjà. Je faisais ça à côté de mes études hein, tout simplement, je faisais ça la nuit. J'allais me coucher, il était 3h du matin et je me levais, il était 7h. Hein, voilà. Et pendant 2-3 ans j'ai fait ça. Pendant 2-3 ans je dormais 2h30 à peu près par nuit. Dans ces eaux là. C'était pas très agréable, hein, on va pas se mentir. Mais bon, j'avais pas envie en fait d'abandonner mes vidéos pour ça parce que c'était vraiment ma passion et j'avais pas envie d'arrêter. Je savais qu'il y avait un truc à jouer, en plus j'avais une petite communauté qui me suivait et tout, donc je me disais bah j'ai pas spécialement envie que ça s'arrête quoi. Par contre j'ai pas les tables d'enchant hein, du coup hein. Mais bon, enfin bref hein. Je t'ai expliqué comment le mec a fait pour avoir la map des GG. Ah bah oui j'irai voir du coup. Subgoal tu me fais gagner Guild Games 2 c'est good. Non Oli, non on va pas faire ça ouais. À gauche là? Je sais pas, j'avoue que je sais plus. Là c'est le grand bateau donc y a rien. Mais bon, c'est peut-être dans les bâtiments qui sont en face, je sais pas, hein. J'avoue que j'ai aucune idée quoi. C'est quand la cité, j'ai pas entendu, c'est le 22 juin, donc c'est dans pas si longtemps que ça. C'est peut-être là-haut, hein. On va voir. Hein. Peut-être là-haut il y a des tables d'enchant, hein. Bon, en tout cas ça a pas l'air d'être le cas. MDR, t'as pas eu des problèmes dus au manque de sommeil? Non mais maintenant par contre je ne peux plus faire une nuit sans dormir 8 heures, voilà, maintenant. Avec toutes ces dettes de sommeil énormes. Maintenant dès que je dors... Moins de 8 heures par nuit, je suis épuisé comme si j'en avais dormi deux, quoi. C'est vraiment terrible. Hein. Mon corps, en fait, me signale que je n'ai plus le droit, en fait, à ne pas dormir, en fait. Je suis obligé de dormir, en fait, maintenant. T'as quel âge, là? 25.
J'ai fini mes études en 2019. Mais putain, je trouve pas les tables d'enchante. C'est où cette histoire? Tout à l'heure, enfin la dernière fois, j'avais trouvé des tables d'enchante hyper facilement et là, il y en a pas. Je suis abusé, sérieux. Enfin, c'est abusé quand même. Le plus gros sub goal, un UHC serveur Bedrock. Non, parce que ça, pour le coup, ça dépend pas de moi. Et surtout, ça demande surtout beaucoup trop d'argent. De ma poche. Je peux pas m'engager là-dessus, en fait. Ça demande trop d'argent. Déjà, pour ouvrir un serveur Java, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, pour ouvrir un serveur sur Bedrock, j'ai pas l'argent pour ça, quoi. Tu les fais pas les 25, en tout cas, tu fais genre moins, genre 22. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Après, bon, ça va, quand t'as 25, t'es pas un vieillard, quoi. Ça va, hein. Merci Psychose, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus les tables d'enchant, les gars, je sais pas où elles sont. Hein. Assassin la Légende, tu l'as monté comme ça, bien sûr. Hein. Assassin la Légende, je l'ai monté un soir, ouais, entre... Après avoir fini mes cours, quoi. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais en MMI, bah, je pense que j'en ai... Ah, c'était là, non. C'était là que j'avais eu les tables d'enchant, mais je crois qu'elles sont déjà prises, en fait. Hein. Eh, je crois que c'est déjà pris, en fait, les gars. Et oui, c'est sûr que c'est là. C'était ici, mais ça a déjà été pris, je crois. Ouais, tant pis, Nick. C'est pas grave. Mais en fait ouais je faisais mes vidéos littéralement après en fait avoir bossé mes études. Et le truc c'est que en MMI tous les soirs on avait des devoirs de fou à faire. On avait enfin il y avait plein de trucs à faire hein. Des projets en permanence etc, c'est terrible quoi. Bon allez vas-y c'est pas grave, je ferai une pioche en diam ça. Merci Colin, merci Psychose du coup et merci Sébint. Je dors pas beaucoup et ça me fait peur hein, pour l'avenir, j'ai 16 ans. Oh bah t'inquiète qu'à un moment donné ton corps va te dire, va t'obliger à dormir en fait, que tu le veuilles ou pas. Donc t'en fais pas pour ça franchement. T'as pas à avoir peur, juste ton corps va te dire là par contre frérot faut que tu dormes. Et t'auras pas le choix quoi. Donc bref. Comment ça va par ici? C'est triste de pas pouvoir regarder tes lives le bac en sus. Non mais t'inquiète, y'a pas de soucis. Et, réussissez votre bac là et comme ça après vous pourrez regarder la cité quand on va le faire. Mais vous inquiétez pas, y'a pas de problème. Et... Les lives vous avez tout le temps de les regarder, je vais stream en permanence tout le temps. Même cet été y'a plein de trucs qui sont prévus en live. Alors que le bac pour le coup vous le passez là maintenant, bah c'est comme ça tu vois, donc t'en fais pas. Donc bon, t'inquiète, j'ai 33 ans et depuis mes 14 ans, je dors que 2 à 3 heures par nuit. Et ton corps, il t'a pas dit à un moment donné, stop? Parce que franchement, moi, après mes études, je pouvais plus ne pas dormir. Hein. C'était... Mon corps m'a mis un énorme tose. Hein. Il m'a dit stop, en fait. Hein. Ne fais pas ça, en fait, frérot. Maintenant, je sais que je n'arrive plus à ne pas dormir, en tout cas. Mais maintenant, même dormir, ça me fait presque peur, en fait. Genre, j'ai... Parce que, enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai un rapport avec le sommeil qui est très étrange, hein, maintenant. Comment les participants ont été sélectionnés pour la cité des pixels car à part ton équipe je connais personne. C'est des gens qui ont été tirés au sort ou sélectionnés par les organisateurs. Moi je... J'ai pas du tout participé au niveau des sélections des équipes donc je saurais pas te répondre. Voilà. Mais oui c'est normal que vous connaissiez personne, c'est... Il y a des petits streamers et sinon le reste c'est des joueurs qui ont été tirés pour participer quoi tout simplement. C'est pas un event réservé aux streamers, hein, loin de là. Hein. C'est, y a... Tous les streamers quasiment ils vont venir animer des événements, on est la seule et grosse équipe de streamers qui participent. Donc voilà. Donc voilà. Après tiens moi qui peux dormir 16 heures d'affilée. Oh putain, 16 heures d'affilée c'est... Je crois que le plus que j'avais dormi c'est 14 heures je crois. C'est mon record, un truc comme ça. 12-14 heures je crois. Ah, entre 12 et 14 heures et je sais que j'étais tout petit. Parce que je sais pas pourquoi, moi j'avais déjà raconté ça en live, mais souvent moi j'ai des screenshots de certains passages de ma vie qui sont imprimés et qui sont dans ma tête. Je sais pas si ça vous le fait aussi à certains d'entre vous. Mais moi j'ai vraiment ce truc de screenshot où je me souviens de certains passages dans ma vie qui sont vraiment marquants. Et du coup j'ai ça, ce moment là, qui m'a été marqué moi, je sais, genre un moment donné je devais aller à l'école et je sais que je m'étais pas réveillé et ma mère m'avait laissé dormir parce que ça faisait 14 heures que je dormais. Elle m'avait laissé dormir et je sais pas pourquoi j'ai ça, mais voilà. Comment on voit les limites de stuff hein. Oh putain de sa mère. 3 pièces, diams, P2, P3 fer... Power 3, 3 halls. Merci Valdor pour les 2 subgifts, hein, ça fait extrêmement plaisir. Tu ressembles vraiment à Dwagby. Alors vraiment, il va falloir que tu m'expliques où. Parce que vraiment, je pense que j'ai aucune ressemblance avec Dwagby, physique, je veux dire. Mais alors vraiment, aucune ressemblance, je pense. Vraiment. Merci Naïci. Peut-être sur le fait de parler, je pense, peut-être, tu veux dire. Mais bon. What the fuck. Ah, je parlais à Jeannot. Ah, d'accord, je pensais que tu parlais à moi, j'ai eu peur. Hein. Ouf. La pire chose que j'ai faite, je sais plus à quelle heure je m'étais couché, mais je m'étais réveillé vers 17h et c'était vraiment mon record. Hein. Et plus jamais je fais ça. Ah ouais. Ah, ça me fait penser à la période Covid, les gars, moi j'étais tellement décalé, putain. La période Covid, je me couchais, il était 8h du matin, je me levais, il était genre 18h, c'était cataclysmique. Je voyais pas la lumière du jour, mais en fait, la période Covid, j'ai l'impression que ça a été vraiment une partie de la vie mais différente, genre c'est vraiment un monde parallèle qu'il y a eu maintenant, que par rapport à ce qu'il y a maintenant. C'est des années parallèles.
Genre le les confinements qu'il y a eu, c'était vraiment des moments parallèles par rapport à ma vie de maintenant, hein. C'est terrible. Hein. Ouais, l'arc confinement, je te jure, je faisais n'importe quoi. La nuit, je passais des nuits entières à jouer à la Switch, à découvrir des jeux, à faire des... On a regardé toutes les... tout plein de séries avec l'eau, d'animés, de... Pff, je streamais énormément, il y avait tellement de monde aussi qui regardait, enfin c'était abusé quoi, vraiment. C'est comme les gens qui font des siestes, je sais pas comment vous faites, je m'endors à peine 20 minutes, après je suis du père à un point. Ouais, je comprends. Bah tu sais, j'étais pareil que toi. Quand j'étais petit, mes parents ils m'obligeaient à faire des siestes, hein, carrément. Pendant les vacances, hein, ils me disaient la sieste était obligatoire. Enfin, je me souviens, j'avais même un dilemme. Hein, tellement je détestais dormir, pour vous dire. C'était soit je faisais une sieste, soit je devais faire une page. Vous savez, les cahiers de vacances, là, je pense que vous en avez tous eu des cahiers de vacances. Bah, c'était ça. Soit je faisais une page de mon cahier de vacances, soit je devais faire une sieste avec mon père. Quand je dis ça, mais c'est genre quand j'étais jeune, hein, j'avais genre 10 ans au moins, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein. Et le truc, c'est que. Bah, je me souviens très très bien de ça, quoi. C'est abusé. Enfin, pourquoi je vous disais ça déjà? Pourquoi je vous disais ça? Je sais même plus. Pourquoi je vous disais ça? Attends, faut que je relise le message que j'avais lu de base. Hein. Attends. La période confinement, j'avais dit non. Je sais plus pourquoi je dis ça. Mais j'avais... ouais, en tout cas... Ah oui, c'était par rapport aux siestes. Ouais, c'est ça, c'est par rapport aux siestes. Hein. Et je détestais faire des siestes. Hein, et je peux te dire que maintenant, à mon âge, je me suis rendu compte à quel point la sieste, c'est turbo broken. Hein. Mais vraiment, la sieste, c'est broken. Je sais que à certains moments, quand j'étais fatigué, je faisais des siestes vraiment de 20 minutes. Et 20 minutes, c'est comme si je faisais une nuit entière. C'était turbo broken. Et je sais qu'il y avait des streamers à un moment donné qui faisaient ça. Ils streamaient quasiment 24 sur 24 et ils faisaient juste des dodos de pas beaucoup. Je sais plus comment on appelait ça là, du sommeil, peut-être sommeil polyphasique ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Et je sais que par exemple Ninja, à l'époque de Fortnite, il faisait ça. Il faisait des micro-siestes hein, plusieurs fois dans la journée pour pouvoir être en stream en permanence. Et c'était... c'est quelque chose. Hein. Franchement, comment tu te détruis la santé, je pense, à mon avis. Voilà. Mais bon, tu aimerais continuer les UHC? C'est quoi la question? Attends, j'ai pas vu. Les UHC, pendant combien de temps? Bah tant que ça me plaît, hein, tout simplement. Le jour où ça me plaira plus, j'arrêterai. Hein. Y a pas de... Moi, je me force pas, de hein, toute façon. En deux nuits, j'ai dormi 4 heures, je sais pas quoi en penser. C'est pas terrible, hein, effectivement. C'est pas terrible, 4 heures en deux nuits, ouais. C'est pas terrible. Hein. Mais bon, ouais, quand t'es jeune, tu peux te permettre de faire ça. Hein. Franchement, à partir du moment où vous allez commencer à approcher entre 25 et 30 ans, vous allez de moins en moins pouvoir faire ça. Quand vous passez les 30 ans, vous allez plus pouvoir dormir si peu. Enfin, sauf cas extrême, comme par exemple la personne qui était dans le chat tout à l'heure qui me disait j'ai plus de 30 ans et t'inquiète que j'ai pas le choix. T'as loupé du diamant. Non, c'est de l'émeraude ça, les amis. C'est pas du diamant, c'est de l'émeraude. Hein. Merci de me l'avoir dit, mais vous inquiétez pas. C'est le vert clair, c'est de l'émeraude et le vert foncé, c'est du diamant. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Merci Neizbad pour les 8 mois et merci Kitsoko pour les 3 mois de sub. Merci beaucoup. Dis-moi quoi miser pour l'après-midi camp de barbe noire. Je le sens bien là ce soir. Il y a des cas extrêmes, ouais je suis l'exception qui confirme la règle, ouais. Mais c'est trop important de dormir je trouve en fait, ça change tellement ta journée entière, c'est abusé. Moi mes journées entre quand je dors 6h et mes journées quand je dors 8h et plus, je vous jure que je vois une différence de fou, hein, vraiment. Hein. Je suis tellement pas actif hein, quand je dors moins que ce que je devrais dormir. C'est je suis au ralenti toute la journée et du coup je suis beaucoup moins efficace que si je faisais une vraie nuit totalement. Je veux dire où tu dors 8h, 8h30, 9h, tu dors d'affilée et tout, enfin c'est... Donc bon. Enlève le chat BG. Non. Après tu dors pas la nuit. De quoi quand tu fais des siestes? Ou quand tu dors beaucoup? J'ai pas compris. Parce que moi t'inquiète je dors beaucoup et je dors bien la nuit quand même hein. T'inquiète pas hein. Le réveil c'est important aussi. Ouais bah après tout est important hein, le sommeil c'est... Tu dors combien d'heures par nuit en général? 8h. 8h. Entre 7h30 et 8h. Maintenant je me force à dormir 8h par nuit. Je me force. J'essaie de m'organiser dans mon travail pour me permettre d'avoir 8h tous les jours, quoi qu'il arrive. Parce que en fait je me rends compte que maintenant quand je dors moins de 8h, je suis hyper... Comment dire? Enfin je le ressens de fou quoi. Je le ressens, je suis fatigué toute la journée, je baille toute la journée, j'avance pas, etc. Et puis même en fait j'ai envie d'être en bonne santé donc j'essaie de... Voilà. Peut-être fermer l'après-midi. Mais elle se termine là je crois, non? Vas-y, je vais la fermer. Tout le monde a voté, c'est bon? Allez, terminez les votes. Tac. Ce qui change vraiment la journée, c'est le mood que tu as dans les 5 premières minutes à ton réveil. Ah, moi c'est même pas les 5 premières minutes, hein. Moi c'est la première heure. Je suis pas du tout du matin, c'est-à-dire faut pas me parler le matin, je pense. Bon, le matin tu me parles, je pense que je peux dire des trucs que je vais regretter, tu vois. Tellement je suis pas moi-même le matin quand je me réveille. Je suis vraiment pas du matin du tout. Je suis très très grognon le matin. Faut vraiment pas me parler. Hein. Faut me laisser émerger tout seul. Hein, parce que sinon.
Ça me saoule en fait, ça me saoule très vite. Donc bon, tu me donneras un sujet de discussion pour parler à ma copine. One Piece, voilà. Les animés. C'est un bon truc de discussion ça. Allez, un bon petit rôle les amis. Marine, pirate, hein. Chopper, je crois que ça pue la merde. Je crois que c'est de la merde, voilà. C'est juste de la merde en fait, Chopper, j'ai jamais eu, mais je crois que c'est le pire rôle du jeu. Ça fait plaisir. Je crois que c'est éclaté. Vous êtes passivement immunisé à tous les effets négatifs. Si un membre de l'équipage du chapeau de paille vient à mourir à moins de 50 blocs de vous, celui-ci se verra soigné de 3 coeurs et il aura alors 20 secondes pour tuer un joueur. Sinon, passé ces 20 secondes, il mourra. Ok, bloc de soins permet de poser toutes les 30 secondes un bloc de soins. Ouhou. Lorsqu'un joueur passe sur le bloc, il est soigné de 2,5 coeurs et si c'est vous qui passez dessus, vous serez soigné de 1,5 coeurs. Ok. Cet item possède 3 formes différentes qui durent 3 minutes chacune. Vous passez à travers la résistance de n'importe quel joueur. Lorsque vous effectuez un combo de 3 coups consécutifs sur le même joueur sans vous faire toucher tous les joueurs dans un rayon de 20 blocs. Mais j'en ai marre d'être support en fait les gars, j'en ai marre d'être support en fait. Toutes les games je suis support, j'en ai marre. Toutes les games je suis support, mais tellement j'en ai rien à foutre, je vais juste taper les gars. Je vais vraiment taper, hein. Pas d'effet, rien, je vais taper. Hein. Alors là rien à foutre. Hein. On va se taper. Hein. Tant pis au pire je meurs. Chopper roll OP, hein. Je pense pas. Hein. Tu es pas enchanté, t'es level 22. Ouais. Ah, c'est ça les zones de soins? Ok, ça marche comment? Ok, d'accord. D'accord, c'est tout con en fait. Ok, super. C'est vraiment tout simple. Ça marche. Ah, mais j'ai pas de. J'ai pas d'opsy en fait. J'ai pas d'opsy. Ok. Je connais pas One Piece UHC, il fait quoi Chopper? C'est un perso qui est dans l'anime très faible. Enfin, dans le manga très faible aussi. Il est surtout mignon, quoi, on va dire. Voilà, c'est plus ça le truc qui fait son charme, on va dire. Mais alors, dans l'UHC, là, il fait pas grand-chose. Hein. En vrai, c'est stylé, mais comment tu dois réfléchir avant chaque fight, c'est trop chiant. En vrai, ça, c'est pas mal, ça. Le arm point, il est pas mal. Ça, c'est de la merde, hein, par contre. Hein. Guard point, slowness 1, mais vous esquiverez un coup sur 6. Hein. Franchement, c'est vraiment de la merde. Hein. Avoir genre 17% de chance d'esquiver un coup. T'as que des persos soutien abusés, mais je te jure, j'ai que ça vraiment. Hein. Je suis tout mimi. Bah ouais, je suis tout mimi. T'es pas support, l'item Rumble Ball, c'est débile. Une forme qui te fait passer la rési et une forme dans un 5v5. Si tu tapes le plus faible, tu mets les dégâts sur tout le fight. Hein. Ouais. Oui, ouais, oui. Et il faut que je mette. Ouais, il faut que je tape le mec le moins fort du fight, quoi. En gros, c'est-à-dire qu'il c'est le moins PVP. Après. Quand tu t'appelles Narco, le rôle peut être fort. Quand tu t'appelles The Guild, bon. C'est ça le truc. Hein. C'est que ça demande quand même de mettre des combos. Hein, donc bon. Après, ouais, ça reste quand même assez faible. Hein, on va pas se mentir. Hein. Comparé à tous les autres rôles qu'il y a dans le jeu, mais bon, on verra. On verra. On verra bien. Pourquoi il restait de l'or dans ton trou? Ah ouais, je vais aller voir. Pourquoi t'as eu quoi avant? Avant, j'avais eu le chef de la marine. Qui est un big support pour la marine. Hein. Je n'ai rien fait de la partie la dernière fois. Rien du tout, mec. Et quand je te dis rien du tout, c'est vraiment rien du tout. C'était où mon trou? C'était là mon trou? Nagato est dans la même game que toi. Ouais. Merci Kuro. Kuro, merci beaucoup. Ouais, j'étais Sengoku, c'est ça, ouais. Ah oui, restez de l'or, bien vu. Merci, heureusement, Gamer Farmer, que t'es là pour me le dire. Hein, parce que franchement, t'es bien le seul qui suit le stream. Hein. Bravo, hein. Bravo, bravo les gars, hein, vous êtes fiers de vous? Ça suit les lives, hein, je vois, hein, bref. Hein, bravo les gars. Hein. Le temps de jeu pour monter, il est de combien en moyenne? 40 minutes. À 40 minutes, il faut être dehors. Hein. Bravo les gars, hein, vous êtes fiers de vous. Hein. Putain. C'est pas possible. Hein. Le chat qui suit pas le live. Bravo, bravo. Bravo. Protection, tac. Nous, on discute. Hein. Bah, je vois ça, ouais. Hein. Je vois ça, les gars, je vois ça. Je vais remonter un tout petit peu mon bureau, hop. Donc je pète mon bureau tout simplement, voilà, on va le remonter un petit peu. Il y a les poneglyphes, exactement ouais, c'est ça. Il y a exactement ça à aller chercher, les poneglyphes. Tac. Alors attendez, vu que du coup j'ai fait table d'enchant épée, je pourrais faire que 2 pièces, on est bien d'accord. Donc du coup qu'est-ce que je commence à faire en stuff là? Je commence à faire casque. Allez, on va commencer à faire casque. Allez, comme ça on fera plastron et bottes, c'est impeccable comme ça. Hé hey, mes points de chaîne, j'ai parié le camp pirate, vas-y je valide la prédiction, vous inquiétez pas, je valide ça tout de suite. M'insultez pas, pirate. Est-ce que Nagato joue cette game? Oui. Oui, oui, tout à fait. C'est bon, j'ai validé la prédiction. Tu
Tu me donnes n'importe quel rôle, je suis capable de le rendre nul. C'est ton pouvoir, Gremlin, ça. C'est le pouvoir secret, c'est ta capacité secrète. Tu peux rendre tous les persos moins forts que ce qu'ils sont déjà. Je suis mort. L'annonce sur le serve Discord du HC World m'a fait grave plaisir à la fin du message de prévention des faux Discord. De quoi ? Quel Discord ? Quel message on a fait ? Ah oui ! Ah oui, 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 oui. Merci pour le risque. Putain, Mathéo ! Ah ouais, mais Mathéo, c'est un liqueur de ouf ! Attends, j'avais pas vu, merci Bigaël. C'est un liqueur de fou ! Attends, et vous vous souvenez les gars, quand à chaque fois que je leak un truc, ils sont là toujours à m'engueuler mon staff, on est d'accord ? Merci Biga, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup mec. Vous vous souvenez, on est d'accord hein ? Message de Mathéo Disco Zombie, il y a 2 heures. Blablabla, attention, attention à vos comptes, machin, dadadadadana. Faites passer le message, soyez prudents. PS, vous avez quelque chose de prévu début juillet. Putain, Mathéo, c'est abusé de faire ça, en vrai. C'est abusé de faire ça. C'est abusé de leak comme ça, en fait. Hein. C'est abusé, en fait. Hein. Merci, Rapunzel. Hein. Merde. Moi, j'ai pas le droit de leaker. Mathéo, il a le droit de leaker, moi, j'ai pas le droit de leaker. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, les gars. En vrai, en connaissant les rôles pirates, je te dis que Chopper c'est un pirate fort, car bon, il y a des rôles, t'as littéralement envie de te flinguer alors que Chopper tu peux baiser un fight. Peut-être, on verra bien, on verra bien. Peut-être que mon avis changera, Anas, on verra. Gros cœur sur lui. Ouais, il a tout leaké alors qu'ils me disent qu'il faut pas leaker. Super. C'est quoi ton skin ? C'est le pyromane de Team Fortress 2. Avec une petite veste particulière, mais en gros, c'est un sorte de masque à gaz si tu préfères, voilà. Imagine un personnage avec un masque à gaz, bah c'est ça, voilà. Un giga masque à gaz. Bon, on le reconnaît pas trop, mais bon. Tu vois le perso de Lethal Company ? Bah voilà, c'est ça mon skin Minecraft. En gros. Est-ce que quelqu'un connaît un serveur où faire des UHC actuellement ouvert ? You can. Et j'ai plus le nom des autres serveurs, mais voilà. You can. J'étais sur un gorille, mais merci beaucoup. Et non, c'est pas un gorille. Ce n'est pas un gorille. Ce n'est pas un singe. Après, ça va. Pour l'instant, un singe, c'est ce que les gens me disent tout le temps. En général, ça tourne autour de gorilles, singes, par là. Mais un jour, il y a un mec qui m'a dit que mon skin, c'était Michael Jackson. Donc, Michael Jackson en chien. Donc, j'ai pas trop compris. Mais ça, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Je pense que ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Parce que franchement, pour voir Michael Jackson en chien, déjà, faut avoir une imagination, mon gars. Mais alors comme jamais, jamais tu as vu ça dans ta vie, quoi. Vraiment, hein. C'est vrai qu'au premier regard ça ressemble à un gorille, c'est vrai hein. Bon après vous le voyez comme vous voulez hein, si vous pensez que c'est un gorille, je peux être un gorille hein, si vous voulez hein. Je peux être un gorille hein, c'est vous qui voyez hein. J'ai toujours pensé que c'était un loup-garou ton skin, et non pas du tout. Non du tout hein. Regardez, je vais vous montrer un dessin où vous voyez un peu plus mon skin à la limite si vous voulez. Twitter, regardez. Vos gemmes sont désormais privées. Pardon ? Bah ça marche pas du tout. Pff. Bah, très bon boulot en tout cas de la part de Twitter, hein, encore une fois. Très... Exactement, vraiment, alors là, vraiment, nickel, alors là, nickel. Non, je voulais vous montrer en fait sur mon profil, si on va dans les... si on descend un petit peu, ah, attendez, faut descendre un petit peu, voilà, hop. Faut descendre un petit peu, tac, ok, c'est par là. Voilà, en gros, voilà, mon skin, c'est ça, en gros. Vous voyez, c'est ça, c'est le masque à gaz. Bon là, vous voyez pas mes cheveux sur mon skin, puisque le masque à gaz prend toute la tête, mais en gros, mon skin, c'est comme ça qu'on le représente, tu vois. Voilà, là, on le voit mieux, tu vois, le masque à gaz qui prend toute la tête, bah c'est ça. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Voilà. Souvent, on a des très très beaux fanarts, évidemment, mais voilà, comme ça, vous savez à peu près... C'est vraiment ça mon skin, voilà. Mais en tout cas, je trouve que la commune brésilienne avait vraiment bien capté le truc, on va dire. Voilà, comme ça, vous savez à peu près ce que c'est. C'est moi avec un masque à gaz. Voilà. Rip la cam devant. Ouais, vous avez pas vu, mais bon. Tu veux savoir le truc drôle ? Ils ont juste caché le bouton, c'est pas du tout privé. Putain, c'est vraiment des bouffons hein, sur Twitter, hein, putain. C'est vraiment des bouffons. C'est abusé, hein. Du coup, Mathéo, t'as leaké UHC World. Bravo. T'as tout leak. Tellement cool ces fanarts du purgatoire, je te jure, c'est incroyable, j'adore les fanarts. Vous savez que vraiment, je retourne souvent les voir et ça me remet toujours le sourire, j'adore voir des fanarts comme ça. Je sais pas, les fanarts ça a vraiment
une faculté chez moi de pouvoir m'apporter le sourire en deux secondes. Parce qu'en fait, pour moi, je trouve que c'est une personne qui a pris du temps pour toi, tu vois ce que je veux dire, pour te faire plaisir, une petite attention. Et je trouve que c'est un cadeau personnalisé, on va dire. Et je trouve que pour moi, c'est les plus beaux cadeaux, on va dire, hein, quand c'est des attentions comme ça qui sont personnalisées pour toi, c'est les plus beaux cadeaux, vraiment. Il y a même pas de débat, quoi. Vraiment, hein, il y a même pas de débat, quoi. Ce sera vraiment privé dans quelques semaines, le temps de dev. Hein, tu m'étonnes. Ah mais du coup ils vont cacher le nombre de likes, mais bon c'est... En fait je sais pas si c'est bien ou mauvais en vrai. Je sais pas si c'est bien ou mauvais. Et du coup on peut plus faire de ratio, c'est fini. Elon Musk il peut plus faire ratio du coup. Je sais pas si c'est bien ou mauvais en vrai. Vraiment je... J'ai du mal à savoir, j'ai peur que ça limite encore plus les interactions sur les tweets. Et donc que ça limite encore plus le... comment dire... le fait que mes tweets soient mis en avant. J'ai peur que ça détruise encore plus mon compte Twitter qu'il n'était déjà... pas le nombre, l'onglet like sur le profil des gens. Ah mais tes likes à toi perso, c'est pas le nombre de likes des tweets. Ah bon, il me semblait que c'était ça, non? Non? Ah bon? Ah bah j'ai peut-être rien dit alors. Ah ouais, juste nos likes perso. Ok. Non, c'est ce que t'as liké. Ah, ok, d'accord. Ah bah là, on s'en bat les couilles alors. Bah ça change quoi alors? Tu vas même pouvoir liker la politique, personne ne le verra. Ah, ouais, super. Ah bah surtout qu'en plus de ça, je suis énormément accès politique en plus, donc... vraiment, je like beaucoup de trucs en rapport avec ça, genre mon Twitter, il est rempli de ça, non. Du coup... Tu fais plus de Demon Slayer UHC? Si, on continue à en faire, ouais. On continue à en faire. Ok. Bah vas-y, bah je vais liker de la politique alors. Allez, on fait ça. On peut plus rassurer les gens en disant « DCU » en screenant leur vieux like. Eh ouais, mon gars. Eh ouais, putain. Eh ouais, hein, sérieux. Non, Lord Chaos, ça va. Hein, je me respecte encore un peu quand même. Juste 2 secondes, c'est quoi le cooldown de ton tapis de soin? C'est 30 secondes. 30 secondes, Anas. Donc en vrai, ça par contre, c'est cool. Hein. J'aime bien. Ça me fait heal infini pour le coup, ça. Bientôt le retour des DS, l'équipe. Ok, oui. Comme dirait Mathéo sur le Discord du HC World, vous avez quelque chose de prévu début juillet, MDR. Punaise, alors là vraiment, celle-là, je m'y attendais pas, celle-là. PS, vous avez quelque chose de prévu début juillet, putain. T'es vraiment un enfoiré, hein. Après, vous me faites un scandale quand je leak des trucs. Ah là 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 là. Vous êtes vraiment des petits rigolos quand même, hein. Ça me dit que je suis abonné, mais je me suis jamais abonné parce que t'as dû avoir un subgift, Yanis, hein, c'est pour ça. T'as dû avoir un abonnement cadeau qui t'a été offert. Regarde dans tes notifications Twitch en haut. Ou alors sur ton téléphone, je sais pas, tu dois avoir un petit onglet notification. 4 mois que j'attends ça. Ouais, mais avant de le sortir, faut finir de dev ce que je vous ai demandé là. Attention, attention. Attention, attention, hein. Hâte de ratio tout le monde début juillet. Je pense pour te venger du leak, tu lâches un autre leak. Ok. Un autre leak, qu'est-ce que je peux faire? Un autre leak, ok. Guild Games 2. Donc les Guild Games 2. Ok. C'est dans un mois et demi. Voilà. Je vais cut ton stream, réfléchis bien. Allez Mathéo, au travail. Allez, à toi de jouer. À toi de t'y mettre. On y croit, oui. Moi aussi j'y crois de ouf. Hein. C'est complètement faux, hein. C'est absolument pas du tout commencé, ni entamé, ni commencé, ni rien. C'est ni prévu d'ailleurs même. Vraiment, il y a tout qui est faux, hein, les gars. Les Guild Games 2, c'est demain, pendant le bac, les gars. Pendant que vous serez en train de passer votre épreuve de philo, c'est nous à faire Guild Games 2, c'est parti. Dans un mois et demi, je suis à l'autre bout du monde. Non, je crois pas, mec, hein, je crois pas. Hein. T'as un truc à développer, je crois, hein, dont on s'est parlé aujourd'hui, je crois. Donc bon, le truc slowness, by the way, c'est pas un coup sur 6, car ça compte les hits no prix du délai, donc parfois c'est un hit sur 3 ou 2. Ok. Donc c'est plus intéressant que ce que je pensais, ok Anas. Leak les Guild Rumble 2 au pire. Bah ouais, vas-y, je leak les Guild Rumble 2 les gars. Je vais vous donner un jeu du Guild Rumble 2, il y a Minecraft, waouh. Le bac c'est mardi, pas demain, oui mais on s'en fout, c'est pareil, vous avez compris. Vous avez compris ma vanne, c'est bon. Je parle pas de philo, j'en ai fait 8h aujourd'hui, j'en peux plus. 8h de philo, comment ça? What the fuck, comment ça 8h de philo d'affilée, comment c'est possible? Et genre t'as eu des cours de philo 8 heures d'affilée ou c'est comment? Ou tu fais des études là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai plus de lapis? Attends, mais me dis quand même pas que je suis un abruti au point d'avoir jeté mon lapis quand même. Non mais attendez. Non mais me dites pas que j'ai vraiment fait ça quand même, attendez. Non mais...
Bah attends, je suis vraiment un con à ce point-là quand même. C'est terrible. Mais non, Minecraft au Guild Rumble, je suis étonné de fou. Bah ouais. Bah je peux comprendre. Tu l'as jeté dans la lave. Je l'ai jeté dans la lave. Non, c'est cataclysmique. Non, mais comment c'est possible d'être aussi nul que moi? Merci Fire Phoenix. Mais comment c'est possible d'être aussi nul que moi, sérieux? Bah je vais rater tous les poneglyphes. Hein. League GR2, Minecraft, Celeste, Valorant, Apex, RLTM, Microworks, USAP, ISAP, vous l'aurez vu ici en premier temps, mais attends, mais... On a une taupe dans l'équipe, hein, je pense, hein, pour que t'aies les mini-jeux qui soient annoncés, t'as une taupe dans l'équipe. Hein. Comment s'appelle ton pack de textures? Il s'appelle le Aquamint. Enfin, non, devrais-je dire, il s'appelle le A3AL Aqua A2AL Mint A6AL32X. Voilà, parce que les gens ne savent pas mettre des codes couleurs sur Minecraft. Hein. Voilà. C'est un peu comme PUBG aux The Event, ça. À la Zilan, tu veux dire, non? Donc bon. Petit PUBG au Guild Rumble. Un jour il viendra PUBG. Un jour il viendra les gars. Un jour je le mettrai, mais pour de vrai. Hein. Un jour je le mettrai pour de vrai. C'est sûr à 100%. Mais pas... voilà. Donc bon. La table tout derrière. Attends quoi? Attends, j'ai posé ma table d'enchant, je l'ai pas récupérée. Attends. Attends. Pourquoi personne me dit rien? Pourquoi il n'y a qu'une personne qui regarde le live les gars? Eh oh, vous êtes censé m'aider hein? Vous êtes censé m'aider là? Pourquoi il y a une personne qui regarde le stream? Putain. Sa mère, t'es amnésique. Ouais, je suis LG amnésique là. Attends, mais je l'ai mis où? Je l'ai mis où ma table? On est des bots chefs, on reconnaît pas l'écran, l'image. Mais oui, j'ai vraiment laissé ma table en plus! Oh mais Sunai08, hein, tu ne mérites qu'une seule chose, hein, que je t'offre un sub. Hein. C'est vraiment ce qui va se passer. Hein. Je vais juste offrir un sub. Hein. C'est clairement ce qui va se passer. Hein. Tout le monde préfère essayer de te faire leak des trucs, mais je vois ça vraiment. Hein. Punaise! Oh là 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 là. Je vais tellement t'offrir un sub après là. Oh là 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 là. Comment je vais t'offrir un abonnement bien mérité là? Je veux bien. Bah je vais le faire, mais attends. Laisse-moi juste le temps, mais je vais le faire. Pourquoi tu fais pas les pommes d'or? Parce que j'ai pas... Ouais. Voilà. Ça te va comme argument? Ouais. Donc bon. Donne-moi sur ce compte, c'est moi Sunai06, mon deuxième compte, t'inquiète. Putain, c'est marrant, dit au stream, comme je te crois absolument pas, genre... Vraiment, c'est... C'est fou, comment... En vrai, tu sais quoi, je te crois tellement pas. Par contre, si tu veux, je peux te mettre un Théo, en vrai, pour tester. Je reste jusqu'à la fin exprès. C'est donc ça qu'il faut faire pour que vous restiez sur les streams jusqu'au bout, ok? C'est vous promettre des choses. Ok, ok, j'ai bien noté les gars. Si vous restez sur le stream jusqu'à la fin, je vous promets d'ouvrir mon serveur Minecraft. Voilà. Peux-tu me montrer ton rôle? Je suis chopper. Hein. Tu fais encore des UHC, ça fait trop longtemps que je suis pas venu ni sur YouTube ni sur Twitch. Bah oui Kokoyov, j'en fais encore et je fais plein d'autres trucs aussi en même temps maintenant. Je fais de tout. J'ai amélioré mon contenu par rapport à l'époque. Je l'ai amélioré. Je fais des UHC mais bien plus encore. Fais un ban d'or à la fin du stream, t'inquiète ça marche. Faudra me rappeler à la fin du live de Subgift hein, du coup. Sunai. Parce que j'aurais oublié évidemment, bien sûr. J'aurais oublié de subgift Sunai08, donc faudra me le rappeler à la fin du live les gars. Quand je serai mort dans la game comme un petit con. Et c'est là que le stream se termine jamais, comme ça pas de problème. Hein. Un petit ce bâton en vrai? Un petit ce bâton là. Je démarre un petit ce bâton. Tellement hâte de voir une vidéo, on gagne la Zilan. Hein. Non bah non, hein, je pense que ça n'arrivera jamais malheureusement. Hein. Ça n'arrivera jamais. Hein. Donc bon, j'ai une question, j'ai misé 2500 sur Pirate et j'ai gagné 9003, je comprends pas comment ça marche, ça fonctionne pas en x2. Non ça marche pas en x2, ça marche par rapport à ce que les autres parient. Ça dépend de ça aussi. C'est comme les vrais paris tu vois, ça dépend de ce que les autres ont misé. Et ça fait augmenter la cote, ou la baisser, ça dépend de ça. Narco ou Nagato, level PVP pour toi? Le meilleur des deux? Franchement je sais pas, les deux se valent hein. Les deux se valent, mais je dirais que Nagato a plus joué que Nartko. Je dirais que quand il tryhard, Nagato, je pense qu'il a plus fait de practice hein, ces dernières années que Nartko. Donc je dirais Nagato. Mais Nartko est extrêmement fort. Moi, c'est une... Perso, Nartko m'a fait trop peur. Je préfère fight Nagato que fight Nartko. Mais parce que Nagato, en fait, il joue à moitié. En fait, il joue avec les pieds. Il s'en fout, en fait, du jeu. Alors que Nartko, c'est... il tryhard. Il y a un mec derrière. Il y a quelqu'un. Il y a PL derrière. C'est ça le truc, en fait. Attends, je vais lui demander du lapis. Hein.
PL moi s'il te plaît, vous lavez la vanne ou pas? Merci Luciano, merci beaucoup. Petit passage rapide avant de l'urk pour bosser. PL, s'il te plaît, donne-moi du lapis en fait. Je t'en supplie mon ami. Vraiment, c'est catastrophique. Merci! Merci mon gars, merci! Merci beaucoup, enfin quelqu'un qui... Il l'a récupéré, il l'a récupéré les gars. Il a juste récupéré son lapis en fait. Bah. Tu la récup... Il m'a douillé là, attends. Bah. What? Attends mais... Bah... Mais quoi? Merci. Merci. Mais what the fuck? Attends mais qu'est-ce qui s'est passé les gars? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dépop ou quoi là? Il y a eu un clear non? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ouah, il s'est passé une singerie là, vraiment hein. Il vient de se passer une folie je crois. Oh j'avais Depth Rider, hein, quel abruti. J'avais Depth Rider. C'est un magicien mais vraiment hein, c'est... What the fuck? Choc bar de BZ. Comment j'ai pas envie de me faire du stuff les gars. Vraiment comment j'ai pas envie de m'en faire. Je vais juste sortir à poil en fait. Ah bon, hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Attends bouge pas. Il m'a dit au revoir certainement. Oh non. Non. Dépop pas le lapis. Dépop pas j'en ai besoin. S'il te plaît. Don't dépop en fait. J'ai plus assez de level. Donc on va faire ça et ça. Allez hop hop. 5 levels et je me casse les gars. J'en ai marre hein. C'est bon hein. 5 levels et je me taille d'ici hein. Ça m'a saoulé hein. Quoi? Et merci Fire Phoenix hein, du coup, aussi tout à l'heure. Diams ici. Oh le GOAT. Le GOAT. Comment je vais tellement pas lui dire que j'ai déjà miné ma... Que je suis à ma limite. Comment je vais tellement pas lui dire et juste récupérer de l'or. Comment je vais rien dire. Ah ouais. Merci. Merci mec. Merci mec, merci beaucoup. Hop, merci pour l'or. Vraiment hein, c'est... Oh là là, merci beaucoup à lui hein, ça fait plaisir hein. En 2 ans j'ai tellement progressé dans mes études. Il me reste quelques années mais je m'épanouis tellement plus qu'à l'époque. Ah oh, c'est trop cool Kokoyov. Bah, je suis content pour toi franchement, ça fait plaisir. Mais tu sais que ça me fait plaisir de revoir des anciens sur le stream comme ça, vraiment hein. Stonks Industries, c'est moi les amis. Allez, on se casse. Je récupérerai un casque sur quelqu'un, ça m'a saoulé. Hein. Hop, c'est bon hein, mon stuff il est ok. Allez, on se tire de là. Ah mais non, faut que je fasse des deux arcs. Oh merde. Oh merde. Mais ouais du coup j'ai plein de trucs maintenant, moi mon contenu s'est amélioré par rapport à avant, j'organise plein de trucs, j'organise des événements, genre là par exemple, j'organise un événement multigaming maintenant, comme par exemple la Zilan, tu vois, bah moi j'organise Guild Rumble, dont on va faire les qualifs de la seconde édition ce samedi, il y a des cités, là on va faire une cité IRL, dans une semaine, genre samedi prochain, littéralement, on va tous être IRL pendant une semaine et on va jouer une cité, il y aura genre 16 équipes de 60, de 6 joueurs, 16 équipes de 60 joueurs ça fait beaucoup quand même, hein. Ouais non ça fait beaucoup, on va pas se mentir, hein. Après la cité, je vais aller à Rotterdam, je vais participer à un énorme tournoi Minecraft sur scène, qui sera streamé sur ma chaîne. Enfin, tellement de trucs maintenant, genre. Les UHC, c'est tellement devenu une partie, comment dire, secondaire, je trouve, maintenant. Enfin, je fais ça pour le plaisir, on va dire. Parce que maintenant, j'ai plein d'autres événements à côté. Enfin, c'est une folie, je suis trop content, quoi. Je suis trop content. C'est un régiment 60 joueurs par équipe, je te jure. Hein. Vraiment, c'est vraiment ça. Ton anglais va mieux sans me moquer. Ouais, un petit peu. Bah après j'ai participé au QSMP Purgatory cet hiver. Donc du coup pendant une semaine j'ai dû parler anglais, donc ça allait. Ta-da-da-da-da, trop tard t'as parlé, on veut les 960 joueurs. Ah clairement pas, hein, clairement pas. Sur UHC World, j'espère les meet-up sur LG, voir tous les jeux comme sur Stellario il y a longtemps. Bah en sachant que le serveur n'a rien à voir avec Stellario, ça va être compliqué quoi. Mais bon. Ça va être compliqué qu'on refasse exactement la même chose étant donné que... Bah... Pour le coup, bon. Après, on va pas refaire comme avant. Hein. Notre but, c'est pas de refaire ce qu'on avait fait avant, tu vois ce que je veux dire. Notre but, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Merci. Enfin, de nouveau. Non, pas vraiment nouveau, mais bon. D'apporter un serveur UHC à la commu, quoi, simplement. Voilà. Il y aura des trucs au fur et à mesure. Je ne saurai pas tout à la sortie, ça, par contre, je vous préviens tout de suite. Hein. C'est juste qu'en fait, ça fait trop longtemps qu'on travaille pour pas vous sortir le serveur, donc autant vous sortir un petit truc déjà quoi. Là déjà, normalement, on a trop de contenu déjà sur le serveur là. Merci Kitten, hein, trop de des events qui arrivent vraiment aussi, hein, franchement.
Études de composition, je fais tout pour pouvoir composer pour des jeux vidéo et animations plus tard. C'est exceptionnel. Hein. Incroyable. Ouais, on a un petit serveur là en vrai là. Je vais me flinguer. Comment ça? C'est vrai en vrai, Mathéo. On a un petit peu de trucs à leur donner. Eh, développe là, finis de développer le truc là. Puis on verra. Pour les hosts, les non gradés pourront en avoir quelques-uns. Je pense pas, non. Bah, va falloir que le serveur se finance quand même, hein. Fish and gros fish, hein. Va falloir que le serveur se finance au bout d'un moment, hein. Je veux bien sortir de l'argent de ma poche, mais... Va falloir que... Va falloir que tout le monde y mette un peu du sien, quoi. Tu vas voir ce qu'il va te faire, le petit serveur. Je peux pas dev, je gère la scrim. Ah oui, merde, c'est vrai. Yanisou, dev. Il a fini le truc, hein. Ah, c'est fini déjà? Non, vous déconnez, c'est pas fini quand même. Pas le truc dont on a parlé il y a 3 jours là quand même. C'est pas fini déjà. Je fais quoi là à ton avis? Tu développes le nouveau mode de jeu? En vrai c'est trop cool hein. C'est vraiment trop trop bien, on va avoir un nouveau mode de jeu les amis sur le serveur. Moi je voulais plus créer de mode de jeu UHC mais il y a 2 jours je me suis dit qu'en vrai on allait en faire un parce que... Vraiment, le Koh-Lanta UHC, il m'a vraiment trop parlé, donc on va développer un Koh-Lanta UHC pour UHC World, vous inquiétez pas. On va faire un Danse avec les Stars UHC aussi, histoire de The Voice UHC aussi, genre toutes les émissions de TF1, on va les faire en UHC. Comme ça au moins, c'est nickel, comme ça au moins on se prendra un procès au cul de TF1, c'est parfait en vrai. C'est impeccable. T'en es où dans One Piece? J'ai pas bougé, Manu Mouton, j'ai pas bougé. Toujours pareil. Toujours pareil. Promis un gros leak comme ça tu resteras. Non, je vais rien leaker du tout. Non. Ce que je peux vous dire sans leaker, c'est que le truc que Yanisou est en train de dev en ce moment, va falloir le tester les gars. Va falloir que vous allez être un peu nos cobayes quoi. C'est plus ça l'idée on va dire. C'est plus ça l'idée, va falloir tester un peu. Va falloir faire des tests. Parce que c'est une idée sortie de mon chapeau il y a pas longtemps ça, donc bon. J'ai écrit au Koh-Lanta UHC jusqu'à ce que tu parles de Danse avec les Stars. Non, bah non. Je ne prendrai jamais le risque hein, de faire un truc avec avec un nom qui est déposé, tu vois. De nom d'une marque. Je ne prendrai jamais le risque de le faire. Donc voilà. Trop de problèmes potentiels avec les émissions derrière. Genre par exemple TF1 peut nous mettre un procès au cul n'importe quand. Enfin, trop de procès quoi. Trop de procès potentiels. Merci Jeune Mort, merci beaucoup. Ça fait plaisir. 6950 subs. Ouais. Ouais, on est là. Hein. UHC politique, le retour. Hein. Ah, j'ai vu que Nems, il voulait faire une V3. Bah, sachez que ce sera sans moi. Voilà. Sachez que ce sera sans moi, les amis. 7000 subs. Hein. Bah, ouais, hein. Et ouais, Mathéo, hein. Oh là là, le subaton cet été, mec. Oh là 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 là, t'as quel âge? J'ai 25 ans, Niro. Surtout en ce moment. Ouais, surtout en ce moment. C'est pas une très bonne idée, là. C'est pas trop rigolo là en ce moment là. Tu veux pas être MLP, je pense qu'elle sera OP dans cette version. Bah là c'est même pas elle sera OP là c'est... Oh putain. Non je vais être Eric Ciotti en vrai, je pense. À un moment donné dans la partie t'exploses. De manière aléatoire. Comme ça. Et tu dis n'importe quoi. À un moment donné dans la partie. Genre en fait, à un moment donné dans la partie tu deviens rôle solo. Tu deviens LG solitaire en plein milieu de la partie. Oh putain. Oh là 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 là. Et au moment où tu deviens solitaire, tu dis que tu refuses de devenir solitaire. Parfait. Sub goal pour la cité du week-end prochain de participer à Politique UHC. Non, mais j'y participerai pas en fait. C'est même pas un sub goal parce qu'en fait, moi ça me fait pas rire. Moi, c'est pas un truc qui me fait rigoler. Genre, même ça l'a fait rigoler, mais moi j'avoue que la première fois quand il y avait full débat politique dans mon chat, etc., et qu'il y avait des avis vraiment que j'avais pas envie de lire, bah moi ça me faisait pas rire. Si tu veux pas jouer, moi je prends ta place. Ah bah vas-y, hein, joue, hein. Joue, Mathéo, y'a pas de problème. Joue. Mais toi tu stream pas, t'as pas ce problème. Va streamer un UHC politique, tu vas voir. Toute la soirée, les messages bizarres que tu vas avoir dans le chat. Vraiment, hein. Comment tu choisis ta forme par contre? C'est en faisant un clic droit avec la baggy ball. Pas exactement ça. Merci Solambubule. Ah bah t'as subgift Sunai du coup. Let's go. Petit sub only pendant le politique UHC. Non, hein, je veux juste pas y participer hein les gars.
Non, non, j'ai fait une édition. J'étais Marion Maréchal, c'est bon, ça m'a suffi. C'est bon, ça m'a suffi. Le concept est marrant, mais il faut pas donner son avis. Sauf qu'en France, c'est impossible. Non, mais même, enfin... Genre, en ce moment, c'est pas trop le moment, je trouve, en vrai. Genre, à la limite, encore, tu vois, lors de la dernière élection, je dis pas, mais en ce moment, c'est un peu... bon... Voilà, quoi. Marion, elle est solo et elle devient LG à un moment, stylé. C'est ça. Non, elle est LG. Elle se fait renier par les LG. Puis d'un coup, elle change de camp. Elle fait un deuxième camp LG. Elle fait genre le LG 2.0. Voilà, elle fait un deuxième camp LG. Pas mal en vrai. Pourquoi t'es pas sur Mumble? J'y suis, mais je suis muté. Bon, les ponéglyphes là, mesdames et messieurs. Donc bon, bref. Vu le contexte actuel, c'est difficile de ne pas être border. Ouais, voilà. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai pas spécialement envie de faire un UHC avec Nems, qui en a plus rien à foutre et qui dit des trucs border 24 sur 24, tu vois ce que je veux dire? Donc bon. Bon, enfin bref. Il y a toujours des game group, hein. Ouais! Tout à fait, tous les dimanches soirs. Après, évidemment, le groupe a changé, parce qu'il y en a certains qui sont là et il y en a certains qui sont plus là. Mais oui, bien sûr, ça continue. Bah d'ailleurs, on a eu le retour de Daiko là maintenant. Daiko reviendra pour les LG, alors peut-être pas tous, mais en tout cas, il va revenir pour certains LG maintenant. Alors que ça faisait un moment qu'il avait arrêté. Et aujourd'hui, j'ai eu. Vous avez peut-être vu sur Twitter, mais il y a eu un autre revenant aujourd'hui. Wolf381 qui a fait son grand retour. J'ai eu un problème, j'ai raté la game, je suis dépité. Bah ouais, mais j'ai vu ça, mais Big Root, hein. Je me disais, bah pourquoi t'es pas là? J'ai vu. Pas grave, il y en aura d'autres, hein. Vu mon rôle de merde, t'inquiète qu'il y en aura d'autres. Hein. Et merci Jilouzi du coup pour les 44 mois de somme. Hein. Parce que du coup, je peux gratter mon prochain sub. Ouais, si j'oublie pas, ouais. Si j'oublie pas, ouais, si tu veux. Banano, il revient, ouais. Banano, il fait les games le dimanche soir déjà. Et Wolf, il m'a répondu sur tout. Enfin, il a répondu à Gep sur Twitter aujourd'hui. Et du coup, j'ai répondu. Enfin, bref, parti en couille après. Bon, les ponéglyphes là. Les ponéglyphes là, team là. Je vais juste muter micro, mais je vais garder mon vocal. Hein, parce que si jamais j'entends des gens qui parlent de coordonnées comme j'avais fait la dernière fois. Bon, voilà les amis, bienvenue au City World évidemment. Bienvenue au One Piece City World. Couillon, hello. Eh Nagato, j'ai trouvé deux roues de ponéglyphes. C'est faux. J'ai trouvé deux roues de ponéglyphes. Tu veux les coups? Vas-y. 945 moins 3000. Ah, c'est abusé. Ah ouais, c'est loin, putain. Ouais, et l'autre c'est genre... Ouais, un peu, ouais. Et l'autre c'est 8341. Ah ouais, okay. Moins 3200. C'est chaud en vrai. Je sais pas trop pourquoi. Prendre, bah non, mais je les ai déjà pris, mais c'est pour le One Piece, quoi. Y'a moyen que le One Piece ça soit genre en 4000 du coup. Y'a du monde là-bas. Ah ouais. Venez, on fait la piraterie, on les a. Non, Fatou il fait plus les LG, mais Fatou. Enfin, on va vraiment t'enculer. Faut expliquer. Y'a un mec dans mon chat, il a demandé pourquoi Fatou il faisait plus les LG. Fatou qui n'a plus d'appartement actuellement. Ouais, vraiment. Fatou, vraiment en gros, bruit, hein. Pour expliquer, Fatou il y a son plafond, il lui est tombé sur la tête. Moi, voilà. Fatou! Bien joué le LG, Fatou là. Fatou, il est où le couze? Regardez son Twitter. Allez voir sur son Twitter, vous allez voir, il y a son voisin du dessus qui a inondé son appartement. Du coup, ça a fait tomber le plafond dans son appart et il a plus d'appart. Il est mort son appart. Il y a des travaux de fou à faire. Elle date vraiment de l'année dernière. Ouais, mais en fait, je me suis dit, vas-y, je vais taper toutes les vidéos d'Ilab de tout le monde et... Bon, Valier, Mais merci, gros. Quoi? Aïe. Quoi? Bon, t'as vu un truc que j'aurais pas dû voir, si. Ah, mais si, t'as eu un ponéglyphe, non? Ça? Bizarre. T'as eu un ponéglyphe ou pas? Ouais, ça, là, ouais. C'est bien, mais le jeu... Ah, oui. Je suis censé le voir, ça? Ok, je savais pas. Mais attends, c'est un bloc infini que t'as des ponéglyphes? Bah oui, c'est un ponéglyphe antique. C'est incroyable, moi aussi j'en veux un. Hein. Hein. Bah je peux pas. Là, je suis drop, bah non, je peux pas. Ah, il veut pas. Bah attends, au pire si je te tue, je pense à le drop. Ah, oh, comme ça tu peux aller préparer ton attends, petit ton petit code. Tu peux aller t'entraîner un petit peu sur TM, je pense que t'as besoin de t'entraîner un peu là. Ah c'est vrai. Ah putain, je vais... spam click, j'essaie de l'avoir. Le problème c'est que si je le mets dedans. Ça te désenchante ? Je peux pas l'enlever. Putain, il est bien fait hein. Il est fort ce Naughty hein. C'est fort. En vrai c'est un peu un codard, mais bon. Ah bon ? Bah ce serait cool que je puisse t'en donner quoi, des blocs infinis, mais bon. C'est vrai que bon, on peut même pas partager quoi, mais bon. Zéro partage, regarde. T'as la liste ou pas? Bah non. Merde. Oh que non. Est-ce que tu trouves pas que c'est le pire mode de jeu où tu peux être safe en vrai? Ce mode de jeu là? Ouais. Ah ouais, hein, de ouf hein. En vrai y'a tellement de bons rôles méchants et tout alors que quand t'es safe... Bah, oh y'a quoi comme rôle vraiment gaze? Attends, on va regarder. OP rôle.
pas des rodules. Non, c'est pas des rodules, mais c'est des rôles où tu te fais un peu yèche, quoi. Y'a quoi comme rôle vraiment à chier là? Attention, si on regarde par rapport à l'animé. Chopper, c'est insoutenable. Ouais, Chopper, c'est insoutenable. C'est vraiment insoutenable. Ouais, vrai, j'imagine. Non, en vrai, y'a Oden, ça a l'air trop cool à jouer, mais bon. T'as déjà été Chopper, toi? Non. Non, mais on m'a dit que c'était Guess Vert. Ouais, je me doute. Je connais pas beaucoup de persos de One Piece, mais Chopper, j'ai vu sa gueule, me dis bon. Le perso, il doit pas être très fort, sur mon avis. Hein. Bah, c'est vrai ou pas? Bah, c'est vrai que maintenant que tu le dis. A mon avis, c'est pas le meilleur rôle du mode de jeu. Hein. Ah non. Après, la bine fait pas le moine, mais bon. Ouais, ouais, bah. Je pense que pour lui, ça fait bien. En tout cas, j'ai bizarrement pas vu de vidéo sur YouTube Chopper la légende encore, donc. ça va peut-être expliquer ceci, explique cela, peut-être. Comme si tu regardais des vidéos One Piece. Bien sûr, je regarde des vidéos One Piece, bien sûr. C'est faux. Ouais. Le mensonge à full time. Ouais, bien je sûr. Gros bouffon. Allô. Ouais, je gros bouffon bien. Ça va? Mais ça va et toi, gros? Pourquoi t'insultes mes subs, hein, c'est abusé? Ouais, c'est abusé, je suis désolé, gros, vraiment. Je prends hyper mal, en fait. Déjà, moi, quand je vois ton pseudo, j'ai l'impression que c'est toi qui m'insultes, en fait, déjà, pour commencer. Ah, non, pardon. Ah, j'ai vraiment l'impression que là, c'est comme si tu m'envoyais ce message en permanence, là actuellement, là, tu vois. C'est vraiment ça que je vois. Hein? Bah, c'est comme si tu m'envoyais un message Discord, sauf que le message était écrit en plein milieu de mon écran en permanence, tu vois, quand je joue, et qu'il y a toi qui est connecté. Ah, mais c'est pas le but, hein. Ah, je me doute, hein. Pas obligé d'être menaçant comme ça. Du coup, tes potes, ils t'appellent comment? Ils t'appellent gros bouffon? Ouais. C'est énorme, c'est ouais. Abusé. Non, mais ils abusent, ouais. En vrai, vraiment, je pense que ouais, vraiment, ils t'insultent de fou, hein, ouais. Ouais, je pense que du coup, c'est quoi la raison? Pourquoi tu t'es appelé comme ça? Y'a une histoire ou. Oh bah, t'es comme par hasard. Putain, il a quand même le pseudo gros bouffon. Mais attends, on s'en rend pas compte, hein. Après, dans la team, enfin, dans la game, y'a quand même gros bouffon. Chien, je pense. Village Chaton et Jean Berdard, quoi. Y'a des triplettes. Non, mais attends, mais. C'est quoi ce pas, mais. Ouais, là il y a Jean Bernard, mais il y avait aussi Jean-Marc ou je sais plus qui dans mes précédents LG. C'est genre tous des potes, ils se ramènent tous dans les mêmes. Jean Bernard, gros bouffon, village chaton. Ah, c'est vraiment ça qui se passe, hein. Ah, c'est pour parler à Jean Bernard là. Bien sûr. C'est ton pote ouais. Jean Bernard. Ah, je connais pas. Ah bon, bah super, je sais pas, il est indigné quoi. Tu me compares à Jean Bernard. Il y a Lux Papieux aussi, bref, mais y'a pas de rapport. Après lui, bon. Pas d'avis sur Lux Papieux, ça, mais. Donne un avis, vas-y. Non, j'en ai pas d'avis. J'avais pas d'avis, mais. Mec, je vais mettre un donation goal. Je vais mettre un donation goal où tu dois aller voir Lux Papyrus IRL. Hein, pour, je sais pas, lui dire un truc. Déjà, il marcelle pour que je fasse un donation goal à CD Pixel, et c'est hors de question. Oui, mais moi aussi, ils veulent que je fasse un LG IRL avec eux. Bah, moi, c'est ça il veut faire un bras de fer, moi. Un bras de fer? Je préfère faire un bras de fer qu'un LG IRL, je t'avoue. Ils veulent qu'on fasse un LG IRL, mais je leur ai dit, mais les cous, vous savez à quel moment vous allez faire un LG IRL? Jamais, vraiment, y'a pas le temps. Oh, vraiment. C'est vraiment ça qui va se passer. Toi qui, entre 2h du matin et midi, va juste jouer à Trackmania. Je vais prendre des énormes moins 2 petites heures. Au moins C'est vraiment... Au moins 2 petites heures. Y'a pas le choix, Si je veux gagner, frère, bah il faut. C'est faut, vrai. Frère. T'as des donation goals, toi, déjà? T'en as trouvé? Ouais, de ouf, en vrai, j'en ai... Genre, c'est ouf, faux, zéro. T'as pas cherché. Non. Non, mais moi, je vais pas en mettre beaucoup, je pense. Parce que déjà, on peut pas trop faire de trucs IRL, vu qu'on a pas le matos, littéralement. Merde. Enfin, moi j'en ai pas en tout cas. Donc ça va être compliqué. Ok. Pourquoi vous jouez la game au lieu de monter les vidéos, vous? Go déco, les gars, en fait là. Ok, hop. Vas-y. J'allais déco moi-même, mais bon. Allez hop. Au montage, les gars. Allez hop. Au taf. Au montage, les gars. Allez. Vas-y. Bah, envoie les vidéos cracker, toi. Non, Fritos. Et cette vidéo, Fritos, là, elle est où? Cette vidéo là que j'ai envoyé à monter, elle est où? Cette vidéo, Fritos, là. J'envoie les voix ce soir, normalement, mais j'ai fait la game, entre temps. Ah, je comprends. Et pourquoi on a joué à Trackmania, là, aussi, là? C'est abusé, franchement. Quoi? Non, c'est un joueur Trackmania retraité. Un joueur Trackmania retraité qui a des WR sur les maps. Et hop. Bon, enfin, y a un mec qui s'appelle Wozid qui a envie de me rattraper, là. Non. Comment celle-là? Allez, toi. Wesh. Il tape à travers avec son bloc infini. Attends. Mais je crois qu'il a plus de reach que les autres. C'est faux, bien sûr. Ouais. Toi qui parles au hasard. Ah non. Bon. Aïe. Ah, c'est pas moi là. Là je te le dis, c'est non, pas moi. Je sais bien, je l'ai vu. Non. Va te faire enculer, gros. Oui. Attends, c'est quoi ça? Parce qu'il a des blocs infinis, c'est un bloc infini. C'est juste des blocs infinis. Ok, bah ça. Du coup, je découvre encore, moi. Olivier qui va juste plus vouloir faire l'event avec moi. Fini. C'est tellement fini.
Pourquoi t'as vraiment changé d'équipe, ouais. Enfin, je veux dire, Kenny, il est parti. Pourquoi vous traînez pas? On part de train, on part faire le montage. Mais parce que tu crois qu'on a besoin de train? Tu crois que j'ai mis 8 jeux que je connais, pourquoi? Pas parce qu'on a pas besoin de lancer les jeux. T'es les cons, lui. Mais va traîner le Bedwars un peu. Mais traîner le Bedwars de quoi? T'es même pas né que j'ai joué déjà. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Elle ou pas? Bah ouais, mon gars, attends, moi j'ai joué quand c'est sorti, pas maintenant. Je suis né avant Minecraft, ça va. Eh les gars, c'est bon, j'ai battu Zerator en Bedwars, je pense que je suis prêt pour les 20, je pense. Ah bah oui. Zerator a quand même 60 ans. Zerator nous a explosé sur le dé à coudre quand même. Mais bon, vous clippez ce que Vali va nous dire. C'est vrai? Le dé à coudre? Non. Oui. Bien sûr que si, il nous a allumé. Comment ça, bien sûr que si? En mode, c'est normal. Mais je te jure que vraiment, c'est le goat du dé à coudre. T'as jamais vu un gars aussi fort que Zerator sur le dé à coudre, à part peut-être Jimmy Boy. Ça, vous venez d'où, les gars, vous? On a monté une montagne énorme. Ah bah ça va, nous on s'est donné la liste, donc ça va en vrai. Je croyais que c'était pareil pour vous. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, vous inquiétez pas. Attention, Valier! Découpe. Ah putain, ouais, t'as FK, putain, c'est bizarre. Bah oui, j'ai FK, en fait, t'es vraiment un connard. Bah ouais, je sais. T'as vu, y'a des mecs sur le Discord, ils ont dit putain, ça ghost kill et tout dans le Hunger Games, mais bien sûr que ça va ghost kill ce week-end, les gens sont délus. Non, est-ce que t'as vu Rizus là, Rise? Non. Qui s'est embrouillé là? Non, mais il s'embrouille de 24 sur 24. Ah, mais oui, y a un moment, oui, avec ST. C'est à deux jours quand même. Avec Veja et ST. Ouais, gros connard m'avoir poussé, alors que c'est le jeu littéralement. C'est Rise quoi. C'est abusé de rager pour ça. Non, les gars, celui-là, c'est moi qui l'ai eu. Bah, on s'en fout. Ah oui, je voulais vous approcher avec. Ah, y'a pas de duc là-bas, Valérie. Tout le monde s'en fout, je crois. Ah ouais, non? Un antique. Alors là, celui-là, on casse les blocs autour de lui, on le saura. Y'a pas le droit, mais t'es une merde! Vas-y, prends-le, c'est bon, vas-y. C'est abusé? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, je l'ai quand même TP, moi. Merde, j'ai failli TP un mec random, attends, qui a rien demandé. C'est les SQA, voilà. TP, c'est les SQA. Ouais bah vas-y tape dessus, hein, putain, raison. Ah je l'ai plus, t'es en mode merde. Oui bah oui tu l'as plus. Oh l'infiltration. J'ai vraiment encore hein. Le mec était toujours dans le rayon de particules mais il l'a plus. Ça se voit, t'as fait 30 000 One Piece quand même hein. Moi? Bah ouais. On a fait bien plus que moi. Un joueur vient de finir de décrypter le poneglyphe hein. Et c'est quoi, t'as quoi? Pour ça. Donc un escargophone, voilà. Ouais, énorme, ouais, t'es trop content là, franchement. J'ai eu 3 poneglyphes, 3 trucs de merde. C'est abusé. Eh, c'est nos poneglyphes ici, cassez-vous là. C'est notre direction. Ouais, je te jure, pourquoi ils vont là . Les gars, on est admin, on vous TP à l'autre bout de la map, hein, si vous venez. Hein. C'est abusé de faire ça. Oh, les menteurs. Mais vous cherchez très mal, hein. D'ailleurs, y'a quoi comme rôle qui a un effet de fire résistance? Des méchants, hein. Ace, Marco. Y'a Ace en gentil, Marco. Mais ça y est, et Akai. Non, c'est une blague, c'est pas. J'avoue que ça aurait été un peu abusé là. Vous avez pas d'infos, je suppose? Bon, t'inquiète, hein. T'inquiète. Des infos One Piece. Tu vois, tout à l'heure, quand on parlait des rôles Gaze Pirate, je pense que j'en ai un bon, je pense. Tu penses que c'est dans le bottom 5? En vrai, sur une échelle de 1 à Chopper, hein. Tu penses que je suis à combien là? Moi, je pense que c'est à 8. Ah ouais? 8 sur Chopper, tu penses? Ouais. Attends, mais s'il est Chopper. Genre 10 sur Chopper, en vrai, je pense que c'est à 8. Ok, ok. T'es pas loin, t'es vraiment pas loin. T'as un peu un meilleur rôle que Chopper, je pense. T'es pas loin. Non, il doit avoir un 7, tu vois. Après, en plus, c'est tellement le menteur. Dès qu'il a des mauvais rôles, il a le rôle du jeu. Je te jure que c'est vrai. Et si je mens, je mets un sub goal la semaine prochaine où je vais faire un. Je sais pas, je vais voir Lux Papyrus IRL et je sais pas, je lui dis des compliments. Frère, si je mens, d'accord. Frère, tu veux, le sub goal il sera 4 milliards. Bon. T'as vu le. Gilgame, t'as envoyé le truc ou pas que j'ai fait pour aller voir Lux? Quel truc que t'as fait? T'as pas vu? Bah, je t'enverrai après. Ah, j'ai pas vu. Pourquoi Gep? Est-ce qu'on a rapport avec Gep? Bah ouais, je sais pas pourquoi. Parce que je l'ai envoyé, il avait envoyé un Anox, donc je savais pas si... Pourquoi Gep il a? On sait pas. Gep qui a rien demandé dans l'histoire. Bah bon, il fait pas la cité, il se fait chier par Abyss City. Ça a rien à voir avec ça. Gep qui va être très content de pas faire la cité, parce qu'il va pouvoir regarder tous les matchs de l'Euro sans exception. Et voilà. Vraiment, c'est vraiment ça qu'il m'a dit de base, hein. Il m'a vraiment dit, quand je lui ai dit au début, est-ce qu'il était intéressé par l'event, il m'a clairement dit non, parce qu'il y a l'Euro en même temps, donc j'ai envie de regarder les matchs. De base, bon. T'inquiète, y'a de l'eau déjà. Putain, mais quel enfoiré! Tu le vois à perpète quand même, hein? Frère, pourquoi c'est des vieux antiques de merde? Poussez Valier, s'il vous plaît, poussez Valier! Je vous le laisse. Oh, merci, alors là.
Oh non, putain, fallait être à l'intérieur. T'es pas OP, Valier? Non. Putain. Ok, allez, 10%. Thunder, TP-le à toi. C'est un antique, vas-y. 10%, ça va vite, c'est bon. Putain, Valier, t'es vraiment adorable. Merci beaucoup. Je suis tellement heureux d'avoir un pot des glyphes antiques qui va me donner, qui va me donner un bloc infini. Allez. Un bloc infini, on prend. Oh, il y a une table dans le champ. Oh, j'ai vraiment le bloc infini pour de vrai. Allez. Oh, comment vous êtes jaloux en vrai de pas avoir de bloc infini. Ça devrait servir à rien. Le rôle de la patate suprême est parmi les 5 suivants: Kizaru, Smoker, Kuma, Trafalgar Law et Apo. 3 chances sur 5 d'être safe. Je propose qu'on le saute, voilà. Méchant, je veux dire. Le mec qui a plus de ouf. Kuma, c'est méchant. Ouais. Méchant de genre. Il y a 3 marines et ensuite 3 pirates. Bon bah. Mais Kuma, c'est très fort. Ouais. Moi, je pense qu'il est solo en vrai. Hein, pirates, pense, la patate. C'est pas parce que Trafalgar Law c'est en 2 mots que c'est 2 rôles. Non, putain, c'est vraiment pas drôle. Il me prend vraiment pour un abruti, ce mec. Non, mais c'est cataclysmique quand même. Genre, vraiment, ce mec me prend vraiment pour un abruti. Je dis, y a pas de virgule entre les deux. C'est bon, j'ai compris quand même. C'est un valet que je parlais. Ah, ok, mais tu le prends vraiment pour un abruti, du coup, ça veut dire. Ouais. Ok. Alors, je vais perdre 2 gapoles là. Mais frère, je joue avec Polyphantique, ça pue sa mère. Hein. T'as eu quoi? Réduction de cooldown. Putain, la chance de encore fou, hein. Ouais, bah, 2 fois. Hein. C'est le deuxième kill, hein. Il a 2 minutes de cooldown, hein. Putain, moi si j'avais ça avec mon pouvoir, la chance que j'aurais en vrai, d'avoir la réduction de mon pouvoir. Bah ouais, je dirais que non. La réduction du cooldown de mon pouvoir, c'est serait trop bien en vrai, je pense. Oh, bien qu'est-ce que t'as là. Attends, faut que je relise mon rôle. C'est tellement les pires, frère. C'est OP-mi? C'est OP-roll? Ouais, OP-roll. C'est pour ça qu'on avait plus, hein. Ouais, je te jure. En vrai, les infos, c'est un peu plus sympa. Là, si vous voulez, je me TP un mec random. Voir peut-être s'il donne la liste, on sait pas. Ouais. Vas-y, pour combien? Vas-y. Va sur Ninja Black 25. Frère, le mec il est encore en cave, hein, j'y crois pas. Ou alors on va sur Jean-Bernard aussi. Alors Jean-Bernard, lui ça y est, lui il fait des dingueries, lui. Hein. Il est en train de mettre des panneaux avec le Edward partout. Ah oh ouais, carrément comme ça. Il est en train de créer des affiches du RN au 0. Ah ouais, déjà pour avoir ce pseudo, je pense que tu peux. Tu peux clairement... Je pense que vous sous-estimez beaucoup Jean-Bernard. Oh vraiment. Je suis pas sûr de l'info. Moi non plus. Hein. Aïe aïe aïe. Bah en vrai, premier degré, personne n'a d'infos là. Mais non. Non. Allez hop. Ouais, si vous en avez les gars. Ah mais il a vraiment pas déguisé l'info. C'est allez, vrai. Vas-y, vas-y, balance. Je vais me TP sur lui, hein, non, ça, ah ouais, ça sert à rien. Bah sur qui? Sur qui? Sur qui? En vrai, va sur la patate. Va sur la patate suprême, c'est lui qui a été. Vas-y, la patate, allez. Vas-y. Tu reviens après? Bon, je sais pas, on verra bien. dans tous les cas, ça fait revenir ici. Ah ouais, ok, bon, on l'attend, c'est bon. Je vais revenir, va y avoir plus. Vas-y, vas-y, on t'attend, on t'attend. Non, non, reste là, t'inquiète. T'inquiète. Oh, d'autres débarquent, ça aurait été trop marrant qu'ils soient genre là. Oh, ça aurait été trop drôle. Salut. Ah, bah, il est plus là. Wesh. C'est quoi? Merci pour la flèche. Calme. La flèche, on l'avait pas vu. Ce mec se prend pour qui? Non. T'as pas le droit. Putain, non. Tu peux me la donner si tu veux être sûr de pas cliquer dessus. On a le droit désormais. On a pas qui me On a le droit. On a le droit que si elles sont dans son inventaire. C'est ça, en gros, c'est un peu l'idée, ouais. Oh là là. Les gars, je drop une perle contre 2 gapples si vous voulez en vrai. Je drop une perle, j'en ai vraiment 2. J'ai pas assez de gapples, j'en ai que 30. Bah, 2 gapples, hein. Une offre. En vrai, une gapple, ouais, allez. Après, tu peux pas l'utiliser, je te rappelle. Une gapple hein, contre une tu perle. Tu peux pas l'utiliser, c'est pas dans la main de guild. Donc, Il te faut une autorisation spéciale. Ah, après, les adversaires de guild n'ont pas le droit d'utiliser leur gapple non plus. Ouais, je tape une dessus. Ah le bâtard. Wesh. Wesh. Oh, l'aim de fou que t'as là. Attends, mais c'est quoi ce time? Le mec a fait. Oh, non, mais attends, c'est. Il était vraiment F5. L'aim de zinzin. J'avais même pas la main sur la souris, frère. Ah ouais, c'est énorme. Bon, pour cette vanne, j'ai pris 4 cartes de dégâts, voilà, je suis très content. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai quand même envie de lui tabasser la gueule. Il m'a mis 6 cœurs. Ouais, on fait croire à Valier qu'on est parti. Vas-y, venez, on se cache tous, en vrai. Derrière des armes. Genre là. Pas mal la vanne, j'avais pas pensé. Faut lui mettre un panneau devant. Allez. Bah, un peu tard. Ah bon, bah, super. Avant
moi j'ai respawn, je vous ai entendu quoi, vraiment. Alors il est passé devant vous quoi, donc bon. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. 10 secondes, je me suis TP et je vous vois au loin, j'étais dégoûté. Ah ouais, ok, d'accord. Ça a servi à rien. Le bon poney glyph là, t'es heureux, je pense. Ouais, je suis content. Faire quoi d'autre? J'ai un escargophone, voilà. J'aime pas. Ça fait quoi ça? Je peux envoyer un message à quelqu'un. Ah, j'aime bien jouer avec le risque. On peut se parler. Bah ouais, prends un mec au pif, tu lui envoies, tu lui dis salut, t'es quoi? Et s'il te répond qu'il est méchant, tu le tues. Tu prends sur un joueur qui a l'air de pas beaucoup. Attendez. Et tu le brailles. Genre j'envoie un mec random, je lui dis, je suis genre. Non, c'est le mec qui est pote de Garp là. Ça, je suis que. Kobe. Je suis Kobe. Oui, je suis Kobe et genre du coup, je suis pas dans la liste. Ouais, oh ouais, vas-y, ouais. Vas-y, prends un mec, qui connaît pas. Attends, attends. Pourquoi ça a cherpé? Non, vas-y, c'est autorisé, c'est ma game. Prends quelqu'un qui joue pas trop. T'inquiète. Tartou, je le connais pas. Tartou, j'ai jamais vu. Non, Tartou, il va pas tomber dedans. Une bouteille de vodka, il va tomber dedans. Quoique, Tartou, il peut tomber dedans. Ouais. Ou une bouteille de vodka, ouais. Une bouteille de vodka, c'est pas mal, ouais. C'est pseudo, ça fait bourrer, vas-y. En plus, il va te filer la liste, on va être refait, c'est nickel. Attends, c'est quoi déjà le pote de Garp? Kobe, K-O-B-Y. Boute de sueur sur ton front là, parce que t'es marine quoi. Hein. Eh oui. Mais ça y est frère, il en écrit des mots là. Quand il va te dire chérie, Fritos Army, on va être content là. Alors j'ai dit, salut BG, je suis Kobe, j'ai pas l'aide du coup, et je sais que t'es marine, tu aurais la liste STP. Il va te donner toute la liste, allez hop. Imagine c'est un caillou. C'est vraiment. C'est... Ah, non. Premier degré, s'il y en a un qui est ici, je le dirai pas. Ah, il va tellement jamais me répondre. Et s'il y en a quatre qui sont ici? Oh putain, si a... il a dit belle strat, mais non, putain, je suis dégoûté. Ah, dommage. En vrai, s'il y en avait genre deux ou trois et qu'il y en avait un qui était pas dedans, tu aurais dit? Ouais. Ouais, et vous barriez juste entre vous. Ouais, oui. Genre par exemple, tu vois, en vrai. Ça aurait été arrangeant en vrai. En tout cas, Army, il voulait pas que je fasse la strat, donc bizarre. Hein. Ouais. En plus, à chaque fois, et il a bien dit, et t'as vu ce qu'il vient de dire là? T'as vu? Oui, il vient de dire, vous barriez à deux. Bah oui. Genre en mode, il sait très bien que ça peut pas être lui et Valier. Je me considère pas dedans, moi. Oui, parce que tu sais très bien que t'es dans la liste, quoi. Non. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non. T'as raté une magnifique perline quand t'étais pas là sur Sherim. Et t'as raté une aim de Sherim. Attends, je te refais à peu près le truc. Sherim qui a essayé de me mettre en. Ah, bah, il va te faire en. T'as été meilleur que moi, bien joué. C'est pas possible! Pourquoi donner 3 coeurs aux autres? J'avais pas la main sur la souris, frère! Non, mais on met pas un autre coup, c'est bon! J'ai pris ma part là, c'est bon! Pour cette vanne, j'ai pris 4 coeurs tout à l'heure de dégâts, ouais, j'en ai repris 2, ça fait plaisir! Il y a un road ici! Ah ouais? Bah oui, c'est dans le sol carrément! Carrément! Il y a pas le road piece donc bon! Ah ouais? J'en sais rien! Vache! Aucune idée! Non, y'a pas! Quand t'en sais rien, dis-le! Mais non, j'en sais rien, tu crois que je connais le mode de jeu? J'en ai absolument aucune idée. Bon, y'a pas le One Piece alors. En vrai, je pense que j'aurais dû mettre un One Piece UHC dans le Guild Rumble, je pense. Tu fais un classement sur les 3 parties. En vrai, premier degré, dans une prochaine édition, je pense que je mets un Zelda UHC ou un truc comme ça, genre un Fate ou un UHC qui est. Oh l'horreur! Mais non, mec, en vrai, un vrai UHC où y'a des trucs. Mais Zelda, ça va, Fate, t'as quand même le côté aléatoire du rôle qui peut. M'en fous. Putain, y'a un mec là-bas, hein. Y'a un gars là-bas, qui vient de partir là-bas. C'est faux. Si, si, vraiment. Vraiment un mec qui est parti là-bas. Il est parti dans la cave là. Ah oui. Oui. Bah vas-y, va voir. Vas-y alors. Vas-y, je vais voir. Vas-y, j'y vais. Hein. Bah, j'y vais. Hein. Ah, on est bien le flop. Premier à y aller. Hein. Salut. Ouais, je viens. Salut mec. Il y avait un panneau avec la liste hein, en bas. Ah ouais, putain, c'est pas caché quand même. Mais jure. Et t'es quand même vite parti quand même. Hein. Pas beaucoup de temps pour la noter. Il a pris un skin, c'est bon. Tu parles tout seul ou quoi? Valier, il attend et discute. Moi, je respecte moi. Il me dit, je parle tout seul. Putain, mon chat, c'est pas tranquille. Ça va la forme? Tranquille. Ah, mais Griffon, c'est trop beau. Griffon, en fait, Griffon, on te laisse 5 secondes pour courir parce qu'on a l'info que t'es marine donc. D'accord. Ah, bon, ça va vite quand même, hein. Ça va vite avec lui, hein. Ça va vite avec lui quand même. Oh, les infos de fou. Ah, la blague. Donne-moi tes bottes, sinon je te tue. Pensez le premier moment, il sera pas là. Moi je dis 60. C'est qui le Kobe dans la game là? T'as eu quoi? C'est qui le Kobe dans la game, Griffon? On va voir si tu donnes pas le bon pseudo, on te tue. Je sais pas en fait, c'est quoi le pseudo? Oui. C'est ça, oui. Tu sais qui c'est? Ce que dirait un mec qui sait. Bah je sais pas.
Bon bah. Gros bouffon va. Non, je parle du pseudo, hein, je parle du pseudo gros bouffon, hein, c'est lui, hein. Je parle pas de toi, hein. C'est lui, comme. Crois pas que je t'insulte, hein. Attention, hein. Ah bah, crois pas que je t'insulte. Il t'a pas dit ? Tiens, va avec lui un peu. On te donne Armin, tu peux le garder si tu veux. Non, ça va aller. C'est bon, je suis bien tout seul. Il fait des bonnes vidéos, mais il est un peu chiant en vrai, donc faut le prendre. Pas qu'un peu. Bon, lui-même il assume, hein. Très bien. Pendant je parlais des bonnes vidéos. On te donne la personne qui fait des câlins in-game si tu veux, qui achète des émotes lunaires pour faire des câlins IG avec sa copine. je te jure qu'elle veut juste me nuire. En vrai, force à Armie en tout cas. Et force à Alexia plutôt, tu veux dire, non, c'est... Non. Mais force Alexia, à Alexia d'avoir à subir ça. Non, Alexia c'est une plaie, hein, je suis désolé. Non, c'est vrai, sur les chats c'est une plaie gros. Et frère, elle arrive dans mon chat, elle dit caca ou prout, c'est insupportable. Vraiment, je suis désolé, c'est horrible. Non, t'es là, imagine, il dort à deux, elle se réveille et dit prout. Bon bah voilà, j'ai... la vie horrible. Mais tu sais, tout à l'heure, on mangeait avec Ritus et elle m'envoie un message, elle me dit regarde, va sur le chat de Valier et fais point d'exclamation Army. J'arrive, je vois force Army. Je fais... Force à toi, gros, vraiment. En gros, force. Putain, on se fait 8 fois qu'on passe là quand même. Mais on se fait chier un peu quand même, non? Ouais. En vrai. Putain, il y a tellement. Moi, je dis qu'il y a au moins 2 méchants ici, écoutez, ouais. Ouais, 100%. Il y a au moins 2 safe ici. Gil qui sera tout seul. Non, j'ai dit que mon rôle il était aux alentours des 8 sur Chopper. Donc bon, voilà. C'est ça gros. Aux alentours. Chopper c'est si que ça ? Chopper c'est 10 sur 10. C'est nul à chier du 10 sur 10. Mais y'a que 4 solos dans la game. Ouais. Y'en a 4 ici. En vrai ça me ferait trop rire que vous soyez tous méchants et que vous me tuez en vrai. Ah ouais. Non, salut. Un seul tu vois, c'est la patate. Ah, vilain chaton et Arazor. Bah tiens. Oh, salut Army. Vilain chaton et Arazor. Donc, si la patate est donc méchant, ah, merci. Vous l'êtes aussi. Apparemment, il y avait pas Pyrus qui avait peur de vous. Ouais, mais en fait, maintenant il me save 100%. Et pour info, Lux Papyrus est 100% sûr que Lurgar est méchant. Mais les gars, c'est un Lux Papyrus. C'est qui va l'écouter, même ce mec, hein. Je l'écoute pas. Hein. Moi, je l'écoute beaucoup. Merci, Execo. Oh, non, merde, il y a Alexia dans mon chat. Elle a fait un don en écrivant caca. Non, c'est pas vrai. J'arrive, je vois qu'on parle de moi, elle a dit. Apparemment, Lux a dit que dans la droite du table, il y avait Akainu. Mais frère, il a beaucoup trop d'infos, ce mec, en fait. Hein. Et pour pas grand chose, hein. Mais moi, dans la droite du table, il y a Akainu. C'est les infos les plus loufoques de l'histoire. Mais vous savez que la dernière fois qu'il y avait un mec comme ça qui balançait des infos à toutes les parties, des infos mystérieuses en mode les gars, la partie vient de commencer, mais je sais qu'à gauche il y a telle personne, il y a ce méchant, à droite il y a ça, machin. Vous savez qui c'était? Parce que moi je m'en souviens très bien. Hein. C'était Lib. Lib, et ensuite il y a eu Tom Xeno quand même. Hein. Ouais, d'ailleurs il devient quoi lui? Bah, ouais. Il est toujours en primaire. Non, non, c'est à je sais pas, il a rejoint mon Discord tout à l'heure justement. Non, je sais pas. Tom Xeno. C'est drôle, Alexia. T'as fait un don au moins pour dire caca? Ouais, elle a écrit caca 5 fois, voilà. Okay. Avec un emoji chien. La chance de ouf en vrai. Ouais, j'ai tellement de chance, putain. Ah, tu rigoles, c'est pas mal, hein. Plutôt, ça te fait peur. Hein. Ça veut dire que ça te fait vraiment rire et là, c'est insoutenable. Hein. Attends, je vais mettre ma musique sur Spotify, ça m'a saoulé. Hop, allez. Mais ils m'ont abandonné ces enfoirés, attends. Ouais, là on est plus que 4. Ah bah voilà, il recule. Ah ok. Il est tellement échangé à rendre positif. Derrière le gâteau, Army. Oh bah le gars, ce groupe là, t'as envie de le fight, hein. Oh, t'inquiète, hein. Crois-moi que quand tu verras mon rôle, t'as envie de me fight, hein, crois-moi. T'inquiète pas. T'inquiète, un moment ça va taper à l'intérieur là. Ouais, ce groupe là, tu vas le fight, et puis il y a 3 mecs qui vont se backstab d'un coup. Le pauvre mec était tout seul. 78 minutes sans kill, c'est un record du monde en One Piece. Hein. Ouais, j'avoue que premier mort si tard. Ah, premier mort, y'a pas eu de mort. Y'a pas eu de mort. Ouais, mais... Premier mort si tard, pas eu de mort. La game qui va durer 3h30. À moins que Armie ait un rôle qui puisse voir les morts et les restes, peut-être. Non. Ah, okay, y'a pas de rôle comme ça, voilà. Ah si, y'a l'eau. L'eau peut pas revive. Ah, ok. Parce que j'ai vraiment tué quelqu'un quoi, donc c'est bizarre qu'il soit mort. C'est pour ça que tu t'es TP après. Ouais, exactement. T'as TP quelqu'un, tu l'as tué, t'as vu qu'il respawn, tu t'es TP. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, tu vois, je t'avais dit premier mort. Ryoku vient de le bonheur. Donc Papyrus avait donc raison, bravo. Y'a un mec là, en sneak. Y'a vraiment un mec qui vient de sneak là. Je suis cramé. Salut.
Ah ouais, il y avait. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es vraiment snack ou quoi? Je me balade. Non, je me balade depuis tout à l'heure. Ouais, mais je t'ai vu pendant tout un moment avec toi. Il est où, Firox, là? Oui, mais j'en sais rien, moi, ça fait 15 minutes. Si, tu sais. On t'interroge. Tu sais où c'est? C'est où les méchants, là, dans la game? C'est toi le méchant, en fait, hein? C'est toi le méchant dans la game, là. Reste là, là, reste là, enfermez-le, enfermez-le, ce mec. Vous êtes des bâtards. Reste là, là-dedans, là. Ouais, je l'harcèle, moi. Va là-dedans, va là, là, ici. Bon, on peut me laisser tranquille un peu. Non, on regarde la map. Tu veux juste visiter la map, ok? Ah ouais, ça fait 30 minutes que je visite. Juste le coin de la map. Non, Jean-Bernard. Jean-Bernard, qui... Oh, Jean-Bernard Chopper. Jean-Bernard Chopper, 100%. Non, c'est Kobe. Non, c'est Kobe. C'était lui, Kobe. Attends, attends, oh mec. Si c'était Kobe, la liste sera déjà lue. Attends, t'as game kit alors? Bouteille de vodka. Oh, ça aurait été trop marrant que tu DM Jean-Bernard et qu'en fait ce soit lui le Kobe, tu vois. Ah ouais, c'est pour ça qu'il est très bien. Marco Chopper, Smoker, Eustaskid. Ok, bah s'il est pas Eustaskid, on va le tuer. Moi je pense qu'on le tue. Bon, en vrai, au pire, on va lui demander s'il a un bon rôle. S'il dit oui, déjà, il y a plus qu'une chance qu'il soit safe. Déjà, pour commencer. Oui, c'est vrai. J'avoue. Moi je suis chaud d'aller lui demander s'il aime bien son rôle. Après, le truc c'est qu'il faut le trouver. Ça, c'est un autre problème. Bon, 0-0-0, hein. Putain, Marco. Bon, ça sent le Smoker. Je sais pas pourquoi, mon petit doigt me dit que ça sent le Smoker. Smoker, c'est quand même de... Merci pour ces euros de plaisir. Kaka ouais. A remis à afficher ça au montage, à moi le buzz. Super. A-t-elle fait avec un don? Oh bah, c'est parce que j'ai envoyé un truc parce qu'elle était contente. Parce que tout à l'heure, dans le dérush, il y avait un mec qui s'était resub et qui avait mis Kaka. Voilà. Ah, d'accord. GG. Étonnamment, il est pas dans la vidéo. Quel âge vous avez? Bah, je me demande. Vous avez 20, 21, 22, non? Dans ces eaux-là, non? Pareil, 19. Ah ouais, mais c'est des bébés, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, enfin, mais pas 19, t'arrêtes ça, quoi. Non, mon perso, jusqu'à 23 ans, ça me faisait rien. Même maintenant, encore. Hein. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus de 19, hein. Oui. Donc là, t'étais à deux doigts de rigoler, t'as parlé d'Alexia. Ah, vous êtes ensemble, Fritos et Armi, c'est abusé. Ouais, félicitations. On s'est fait un petit date tout à l'heure. On a la chance. Devant un tacos en plus, oh là. Incroyable. Quoi, faut pas dire si c'est passé derrière, quoi. Mais... Après, bah oui, on devait vite repartir, il y avait la gamme de The Guild. Jean-Bernard, hein. JB. Oh, comme ça, on est gros bouffons, nous. JB. Pardon? Apparemment, on nous a dit qu'on nous a dit que nous on était des bouffons. Attends, j'ai entendu ce que j'ai entendu. Attends. La liaison était sauce, là, un peu, là. Attends. Tout le monde peut nous dire qu'apparemment, on était la trilo. JB. Est-ce que tu aimes ton rôle? C'est mes harceleurs. Moi? Oui. Ah, c'est moi JB. Oui, ça va. Ah oui, t'aimes ton rôle? Je sais pas. Mais dis ton rôle, est-ce que tu l'aimes ou pas? Pas compliqué. Et non. Là, t'aimes pas ton rôle? Non. Pourquoi t'aimes pas ton rôle? Ah, parce que j'ai comprends rien. C'est bloc à fini. Ah ouais? Putain, mais c'est trop fort. Il comprend rien à son rôle. Ah bon, bah déjà, il est pas chopper déjà. Bah, Kid, ouais. C'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Ok, bon, bah, on peut le tuer. Oh, je sais pas du tout. Parce que Chopper, c'est vraiment. Tu sais, je peux juste te dire que Chopper est safe, c'est tout. Genre... Ouais, Kid, c'est safe. Hein. Vous avez pas entendu ce qu'il a dit? Non, il a dit. Il a dit alors, comme ça, nous sommes gros bouffons, sauf qu'il a pas dit nous sommes, il a dit on est. Du coup, je vous laisse refaire la phrase dans votre tête. Voilà. Wesh. Wow. Voilà. Il a vraiment fait exprès. Hein. Oui, bah, je pense que oui, à 100%. Il a rien fait exprès. Chelou, hein. Mais t'avais eu un mec une fois dans une de tes games qui, s'était, qui avait joué avec un pseudo comme ça. Oui, sûrement. Pour la flèche. Eh hey, les gars, c'est... Hey, 80% de chance que Jean-Bernard soit méchant. Je vous le dis. Parce que il a dit, j'ai pas compris mon rôle, alors que les deux rôles safe sont hyper simples. Voilà. Et puis après aussi, il a dit un N-word. Voilà, c'est plus. Et il a dit un N-word aussi, ouais. Il a dit un N-word, pas volontaire, mais il l'a dit. Ça, c'est... Volontaire ou pas, ça on sait pas. Bah, il ira le dire au lobby en tout cas. Bah, c'est chouette en tout cas dans ce groupe. Putain, y'a un mec là. Il y avait quelqu'un les gars derrière, vous l'avez même pas vu, c'est abusé. Bah encore voir. Là, il est parti, il a déco. Il a déco en vrai. Il voit les gens distance là. En vrai les gars, vous voulez pas vous dévo vite fait en vrai. Putain, y'a un mec là. What the fuck, y'a un mec là. Y'a un mec là. C'est moi quoi. Ah. C'est vraiment pas cool ça. Tu crois aller où comme ça? On vient là? Moi qui vais me TP sur Valier en plein milieu de la game. Bon allez, give@a, get beef.
Ah putain, 64. C'est quand ça commence à drop des secs, c'est vraiment que ça pue. Ouais, c'est ça. Les gars, j'ai un montage à aller faire, vous voulez pas me tuer en vrai, s'il vous plaît? Je vous jure, je le prends pas mal. Hein. Mais premier degré, je ne suis pas méchant. S'il y a des méchants ici... Bah moi non plus. Bah en vrai, moi s'il y a des méchants, ok, s'il y a des méchants, on vous laisse partir du groupe. Et pour aller jouer à la je vous jure que pour de vrai, on vous laisse vraiment partir du groupe et on le dit pas au centre et vous avez notre parole. Premier degré, je vous jure que c'est vrai. On le dit pas et on a vraiment parole. C'est ça le problème ? Non, on n'a pas à partir alors. Oui, bah allez, j'ai pas à partir. Mais vraiment, j'ai pas à partir. Eh écoutez, ah, Army Fritos, s'il y en a un de vous deux qui est méchant et qui part maintenant, on fait 10% de plus sur la prochaine vidéo à monter. Et si on est gentil, on peut quand même partir ? Non, non, t'es gentil, je vais te faire foutre. Bon bah... Putain. On verra avec le roi après. Putain, eh, franchement, ils tiennent, hein, pour de l'argent, moi je serais parti, hein. Pour 1€, je serais parti, hein. Bah, bon, après, tu veux pas reroll tous les deux méchants, genre ? Mais tu veux pas reroll les rôles au moins qu'on puisse avoir de l'argent, genre ? Mais non, bah JB qui était méchant, ça va. Ah voilà. Oh, pauvre JB. Je pense qu'il y a vraiment aucun méchant ici. Non, c'est vraiment rien. Si. En vrai, moi j'ai un rôle de fou, hein. Je vous jure que j'ai un rôle de fou. En vrai, je pense, Valier, si t'avais mon rôle, déjà de 1, tu serais super content, je pense. Et de 2, il serait très fort pour toi, mon rôle. Ouais, moi, je pense que t'es Oden, voilà. Oden, c'est quoi ça? Oden, c'est un rôle qui doit switch DP en fight. Oui. Et en gros, si tu switches GP entre chaque coup, tu gagnes des pourcentages de force. J'ai, un rôle, je suis exactement ça. J'ai un rôle où faut savoir jouer en PVP, c'était pas du tout mon mais cas. Mais en vrai, j'ai vraiment un très bon rôle, moi. Merci, Alexia. Moi aussi, c'est Army qui te pas le groupe alors qu'il est méchant. Mais moi, j'ai un très bon rôle. Alexia, un message pour toi, Army. Si Army quitte pas le groupe et que t'es méchant, je jette mon dévolu sur Fritos. Donc elle décide de partir avec Fritos si jamais t'es méchant et que tu pars pas. En gros, elle te quitte pour aller avec Fritos. J'ai pas envie. Bon bah voilà, Alexia, dommage. D'être avec Alexia. C'est bon, je ne quitterai jamais ce groupe. Bon bah dommage, Alexia. En fait, on t'a pas demandé ton avis. Ok, super. Dommage, c'est bon choix. Le râteau. Il est là. Le râteau. Ça, c'est un mot vraiment de collégien, ça me régale. Le râteau. Mais non, c'est fou. C'est drôle cette game. Ils étaient vraiment tous méchants les deux. Mais du coup, attends, la patate suprême, il était avec qui déjà, les gars? Il était avec. Avec le groupe qui est passé devant nous, c'était Gozu. Il était avec Arazor et Vilain Chaton, la patate. Oui, Vilain Chaton et Arazor, c'est exactement ça, ouais. Donc allez. Arrête, allez, vision, on s'arrête pas. Par là-bas, allez, 0-0, c'est parti. J'ai cru qu'il était un ami qui venait faire OP Fine. Faut pas que je le tue parce que sinon vous allez. What? 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 Army, il a vraiment one shot, hein, mais bon. Ah, un peu bizarre quand même, hein. Eh bah tiens, Zart. Eh bah tiens. Bah tiens, vous restez quand même bien avec ce vous avez scooter, tué le gros bouffon vous. Enfin non, vous avez tué l'autre. Pardon, j'ai confondu. C'est le groupe de Kutender qui les a tués. Ah bon? Ouais, mais en fait, nous en fait, on a aucune info sur nous deux en fait, donc on savait pas qu'il était méchant. Oh, c'est comme ça, par oui. Hasard, ça. Ah, on a pas d'infos sur nous, comme par hasard. Quoi? Putain. Et tu verras que je suis gentil. Hein? Je crois que. Tu vois, tu verras que je suis gentil. Pouvoir les tuer. Tu veux que je te tue? Si tu veux, si t'es méchant. Bah, je suis pas méchant, mais si tu me demandes de te tuer, je te tue, moi. Ah non, mais après, moi, c'est juste pour te dire que je suis gentil, en tout cas. Ah, mais voilà. je te crois à 100%, mais si tu me dis de te tuer, moi, je te tue, hein. C'est quoi? Je vais pour te prouver ma bonne foi, je vais rester avec toi, si possible. Non, bah non, on a un groupe qui fout, donc non. Non, d'accord, j'ai non, mais non, hein, ça va. On a un méchant en plus, Gil. Ah bon? Qui frère. Qui? Bah, Lux Papyrus, il nous voit, il s'est barré en courant à la... Pourquoi tu cours? Oh, viens là. Viens là où je fais pas ton sub goal là, dans tous les cas je le ferai pas. Viens là, j'ai un cadeau, Papyrus. Viens là, je le tue, je le free kill. Hein. Merci pour le risque. Merci Lucasto, merci beaucoup. Et oui, merci infiniment. C'est pour nous le groupe Barbe Noire. Ouais, c'est nous. On est beaucoup à te le dire. Oh, tu verras mon rôle, il est vachement sur Barbe Noire là. Hein. Attends, oh, c'est. J'ai une envie de chier. Bah oui, mais bon, au bout d'un moment faut qu'on joue quoi. Elles sortent d'où tes infos, Papyrus là? Il est méchant, vous pouvez le tuer. Il est méchant, vous pouvez le tuer. Il est méchant. Nous qui avons pas mis un coup d'épée. Nous qui avons pas mis un coup d'épée. Ah non, enfin. Si ce groupe là, c'est le groupe Barbe Noire, je me suicide tout de suite. C'est nous? Quoi? Non, tu veux pas dire l'inverse plutôt? Tu veux pas dire si on n'est pas le groupe Barbe Noire, tu suicides plutôt? Vas-y, bah maintenant. Elle est pas mal ta strat, Nagato. Vas-y, ta phrase. Si je suis pas le groupe de Barbe Noire, je me suicide. Attends, t'as dit quoi? Si on n'est pas le groupe de Barbe Noire?
t'as mal entendu, je crois. Attends, t'as dit quoi? Non mais attends, vas-y, redis ta phrase, redis ta phrase. Si je ne suis pas le groupe de Barbe Noire, je me suicide. Si je ne suis pas le groupe de Barbe Noire, mais t'es tout seul. T'es tout seul, forcément tu vas pas. Mais du coup, ça marche aussi. Mais toi. Du coup, tu l'es pas. Allez. Dernier mot ou pas? Slash kill qui part. C'est leur rôle, ils ont des blocs enchantés. Ah, des blocs enchantés, ouais, c'est notre rôle, ouais. Bah, c'est notre rôle, c'est notre camp, il a ça. Bien que tu aies Yokugyo, bientôt t'es prochain, toi. Des blocs enchantés. Bon, parce que c'est les. Au revoir, Papyrus. Papyrus, tu mets un coup à Vélier, tu vois. Vas-y. Il donne des infos, mais parfois. Tu mets un coup à Vélier, il va venir te mettre un coup dans la vie, hein. La semaine prochaine. Nous avons Lurgar qui est méchant, nous avons Noobots aussi, nous avons le groupe. Qui? Une bouteille de vodka. Qui? Lurgar, après. Après qui? Noobots qui est Sengoku, je pense. Qui? Noobots? Noobots. Ensuite, nous avons Greyléphant qui est Akainu. Nous avons Firoz qu'on a tué. Et Armin. Non, Greyléphant. Ça dit, on part en expédition. Ah, donc Greyléphant. Oui, c'est ce que je pense. Moi, je suis chaud qu'on part en expédition. Que Thunder qui triche et qui regarde les pseudos et le papa. Je te le dirai. Attends, mais. Ouais, c'est bon, on a eu des infos, mais par contre, on va pouvoir aller les chercher, de ce que j'ai compris. Ah bon? Bah, on y va, hein, vas-y. Bah, c'est pas moi qui va nous guider. Vas-y, Fritos, guide-nous. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ah oh, ouais, merci. Nami Sanji, voilà. Non, bah, ce serait trop gros qu'on soit Nami Sanji tous les deux. Ça va, il est pas avec toi, il est avec Sherib. C'est Sherib qui a speed. Bah, non, c'est... Moi aussi, je suis de l'équipage. Hein. Audience, tu peux pas nous suivre, on est vraiment 5, hein. Valier, c'est Nami qui a speed, hein, by the way, au cas où. Oui, c'est moi, oui. Non, c'est Nami qui a speed. Quoi? Si vous avez des infos, vous pouvez les donner. Attends, sur... les gars, il faut que t'ailles demander à Lux Papyrus, j'ai pas écouté. Il y a Greyléphant qui est méchant, Lurgar. Et le reste, j'ai pas écouté. Oui, voilà, le reste, on verra bien. Il est juste à côté. On verra plus tard. J'ai écouté à moitié, j'avoue. Bon, mais tu nous envoies vraiment à perpète, hein. On va où, frère, là? Il va où? On suit la Nami, là. Bon, mais tu nous baisses le cul, là. Il nous amène où là, hein. On a carrément changé de City World, on est parti sur la OT UHC là. C'est mieux, ça veut dire qu'ils vont sûrement... Enfin, c'est sûrement des codes rendez-vous, ils attendent. Attends, mais t'as vraiment des coordonnées? Bah oui, Nami c'est OP Find et ça donne des coordonnées précises. Des codes rendez-vous, 800. Et vraiment Nami, c'est incroyable. Toi t'es Sanji du coup, c'est ça Army? Non. Ils étaient là, c'est ça? Ils étaient là quand? Il y a deux minutes. Donc c'est parti par là. Et quelque chose me dit qu'Arazor était potentiellement méchant parce que le mec était. Il a tué Kuma, il a tué avec Greyléphant et Marco, il a fly. Il va juste de fly. Ah ok. Ok. Wesh. Les gars, on sait. Ouais, bon, allez, c'est bon, allez, ok, ouais, on sait. Ouais. Bah attends, mais il se passe quoi là? Bah, il se passe quoi, attends. On va en prendre un déjà parmi vous là, hop. Ouais. En tout cas, on là, sait tout là. Après, hein. On sait tout, les gars, désolé, hein, on sait tout. En mode Boruto ou quoi là? Hein? Ouais. Ils sont en barbe noire. Ils sont en barbe noire, il y en a un qui peut mettre invisible, le groupe, voilà. Ah oui. C'est Sam, du coup, Sam. Du coup, Sam, Goyu et. Lurgar. Et Lurgar, voilà. Putain. On n'a pas eu le temps de mettre un coup d'épée, je suis dégoûté. Et Greyléphant, il est Marco, du coup. Marco. Bah non, oui, il est Marco. Et donc, Eri, il est Akainu. Eri, il est Akainu. Oui, parce qu'en gros, Sherim l'a vu avoir Fire Resi. D'accord. J'étais à côté d'un mec, j'avais un peu de clip d'info. Bah, on a vraiment tous les 5 safe là, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Bien, bon, non. Ouais. Venez, on dévoue tous nos rôles là. Allez. Okay. Vas-y, bah commence. J'ai un rôle qui est dans l'échelle de Chopper. Mais pas loin. Il déjà... okay, bah, voilà. Il est 8 chopper, sur Chopper, voilà. 8 sur Chopper. Hein. Ouais, je pense Chopper sur Chopper. Hein. C'est abusé en vrai, franchement, c'est un truc de fou. Hein. Je prends plein d'infos, c'est qui m'a mis. Sorry. Vous faites confiance ou? Non. C'est vraiment moi, par contre. Oui, c'est toi, oui. C'est toi qui te regarde. Arrête ça. C'est des bâtards à taper. C'est vraiment moi, là, par contre. Voilà, allez, pas, je pas. Suis un archer. C'est tellement l'archer. Oh là là. Il était tout fier, il a dit je suis un archer, il était tout heureux. Attends, mais ils font quoi, les deux connards, là? Je sais pas, mais en tout cas, ils ont l'air d'être sous safe tous les deux, puisqu'ils sont ensemble tout le temps. Ah non, tu parles des deux Belges, ok. Bah, ils sont amis Sanji, ces connards, ouais. Non, je suis pas Sanji. Normalement, je ne sais pas qui est mon Sanji. Non, ce qui paraît, Army, il est... On va reformer l'équipage ou quoi, l'équipe, hein?
Non, pas moi, pas moi. Ok, mais ils sont les méchants. Ok, ok, mais ils sont. T'as vraiment pas compris, Frites? Non. Putain. Ah ouais, c'est. C'est dur tu là. Tu l'as vu dans la game. Pas moi personnellement. Pas moi non plus. Merci Armie de m'avoir demandé de faire cette game de One. Les méchants se font enculer là. Bah ouais. 4 méchants ouais, morts. Ah quoique, il y a 4 safe et 4 méchants morts. Ça va être attends, le groupe mais... de Sam qu'il va falloir tuer là. Comment c'est la liste des rôles dans la game? Opérole avec un S. Non, c'est vrai que vous m'aviez prévenu au rôle les gars, mais effectivement mon rôle il est gaz au possible, hein. Franchement. Je t'avais... Hein. Je t'avais prévenu sans même savoir ce que t'étais, hein, c'est dire. T'as pas des carpettes pour une ultimate là? Des carpettes? Comment ça? Bah c'était chopper. Bah ça va. Tu veux pas fermer les yeux vite fait? Attends viens, viens, attends viens, viens Armie. Ah dommage. Vous avez besoin de vie les gars? Vie, ici. J'ai des gapples à vous donner si vous voulez. En vrai jugez pas, le rôle est très fort. Hein. Ah bah oui oui du coup oui effectivement. Putain il m'a flex à la gueule avec son nombre de gars en sortant, il est juste d'ami. Connard. Ah, ah bah t'as peut-être besoin de heal Valier. T'as besoin de heal Valier, putain dommage hein. Ah non putain ouais. T'as trop besoin de heal. J'ai vraiment 2 coeurs par contre hein. T'as ouais, deux coeurs là de vie. Eh faut le degré. T'es de merde. J'ai un coeur. C'est faux, bien sûr. Ouais, bah oui. Je sais que mon rôle est nul, mais à ce point-là, te mettre un. Ah, bah oui, mais c'est bon, c'est eux. Ils sont méchants, eux. Ah, ils sont 5. Ils sont méchants, eux. Bah, non, mais en fait, c'est eux, ils traînaient avec le groupe de. Enfin, c'était, non, c'était avec. Attendez, attendez, vous voulez une info, en gros. C'était avec bouteille de vodka. Tony et tout, ils ont dit ouais, il est. En fait, on pensait méchant, on pensait à Kainu. Et ils nous ont lâchés. On a même pas vu ça mort. Wesh. Ils sont voilà. Partis, deux secondes après, on voit il est mort, il est mort, ils disent qu'il est méchant. Bien, bien. Ça faisait quoi là? Les gars, les gars, le pouvoir a bugué. Je l'ai vraiment plus en fait. Tiens, Valier. Ah ouais, fais slash opé roll. Fais slash opé roll sans S. Ah ouais, c'est bon, ça revient. J'ai le retour. J'ai rien compris. Non, tu peux ah pas. Merde! J'avais pas vu qu'il revenait dans la main directement! Putain, c'est, merde! C'est barbe blanche, c'est barbe blanche! Ouais, tenez du heal, les gars, allez, c'est bon, hein! Merci! C'est attends, bon, avec plaisir! Je viens d'être soigné par une zone de chopper. Eh, Guil et chopper, les gars! Non, c'est abusé, en vrai! Je vous ai dit que mon rôle il était sur une échelle de chopper sur 10. Hein. Tu vois, je t'avais dit, Valé, que t'étais pas loin de 8 sur 10. Ah bah ouais! 8 ouais, sur ouais. Donc le premier truc que t'as dit, c'est ton rôle quand même! Hein. Ouais, bah oui! Bah ouais mais bon ça a marché hein, personne n'y a... Et, voilà. Et Fritos sur une échelle de Nami t'es combien? Nami ah, abusé. C'est mis sur Nami. Blacklist pour Devon. Oh, merci. Hey ah tu l'as pris instant bah, bon, on attend 2 minutes et puis je refais une commande. Bah vous me dites hein, si vous êtes pas full vie les gars mangez pas de Gapol hein. Mais je le fais sur qui encore le groupe de Barbe Noire? Bah en fait je vais faire la même donc. Fais sur un Razer je pense. Vas-y. Un Razer ou Eri? Ouais non Eri il est à Caillou donc il sera sûrement en groupe. Attends, elle se recharge. Bah, Goeri. Attends, bouge pas. Tu vas faire quoi? Ah, tu vas chercher les coups? Combien de temps? Attends, faut que je mette le truc à Sherim parce que je lui ai mis un coup d'épée. Attends. Non, bah attends, vas-y, attends. Attends, c'est quoi? Tiens. Je crois que c'est 10 minutes. Hein. Ouais, c'est. Merci, mon ref. Ça va vite, hein? Tu fais 30 secondes en vrai. Bah, je sens que Valier est tellement solo, il va juste nous la mettre à l'envers. Mais non. Bah, attends, au pire, je vais ouvrir son stream. T'es Luffy! Mais ouvre-le, gros, rien. T'inquiète, Lux Papyrus l'a déjà ouvert. Hein. c'est ça la vidéo en fait. C'est pour ça qu'il a cette info. C'est un petit montage par rapport à la game que je suis en train de monter. De monter? Carrément. Monter. De monter. Merci! Oh putain, j'avais deux cœurs en moins, le bonheur. Bon, par contre, on se fait chier. Et mon rôle est trop nul, je suis support frère, je sers à rien. Ok, oui. Par contre, en vrai, l'autre, je te jure qu'il y a un truc qui peut être pas mal utile. Parce que là, avec mon rôle que j'ai genre un pouvoir. C'est si je mets un combo de 3, tous les mecs oui, sont autour qui sont pas safe, ils prennent tous les dégâts. Oui, je sais bien. Bah, faut mettre un combo. Bah, oui, pour ouais. Ça, faut que tu mettes le combo. Mais attends, je suis pas censé savoir Slowness d'ailleurs. Je suis censé savoir Slowness avec ce truc d'ailleurs. Attends, je sais pas.
Bah, je suis vraiment sans savoir slowness et j'ai pas du tout slowness quoi. Oh putain, dommage. Non, ça bug en vrai. c'est dommage ça. Ah, mais bah, faut que je l'active peut-être, non? Ah oui, oui, bah oui. Ah bah oui, si je l'active pas. Non, je pensais que c'était un passif, mais non, en fait. Les gros 100 minutes de jeu, on en mais encore c'est pas 100 minutes, pas un coup, hein. Note-toi là. C'est sûr, vrai, en LG, je peux comprendre, tu vois. En One Piece, c'est dur quand même. Bah ouais, quand même. Hein. Bah on a failli en mettre, hein, mais ils se sont mis en vanish et ils sont partis. Y'en a pas un qu'on a mis un? Non. Bah non, ils nous ont vus, ils ont fait en mode Boruto. Et puis voilà. Non, en plus, il y en a un, il a pas l'air très smart aussi, il continue à courir, du coup, il y avait ce particule. J'arrive pas à le tabou. Ouais, mais je crois qu'ils sont en vanish. Mais venez au 0-0, on bouge pas du 0-0 et on attend, attends, c'est bon. Attends, 5 secondes. Attends, mais là il peut faire ça quoi? Ouais, vas-y. Fais là sur Eleri. Eleri. Donne les quoi votes là, vas-y. Moins 236, 123. C'est là. Mais c'est juste à côté? C'est là derrière. Là. Non, là. Non, là-bas. Là. 123, là. Ici. Là. Ah bah là. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Super, parfait. C'est impeccable, c'est ce qu'il nous fallait. Mais j'ai pété un pont. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable, attends, ah, c'est vrai, c'était vraiment. C'est vraiment incroyable. Là, quand même. J'ai cru que tu t'étais fail et que t'avais mis un mec du groupe, j'allais péter un plomb. Go, va sur les trois là. Ouais, c'est bon. Azmak qui abandonne ses baits. Azmak, tu crois faire quoi là? Faut qu'on chope Eri le Akainu. Pas mal les blocs en vrai. Dommage qu'il y avait 4 autres entrées. Allez hop. Ah ok, super. Merci. Oh là là, le bouse de qualité. Pas mal. Prochain bloc, ça sera bon. Ah, mais arrête. Ah, s'il y a un mec qui nous... Oh non, vous allez laisser tomber votre teammate, c'est abusé. Mais non, le vilain chat. Mais ça, on m'abandonne. Bravo d'abandonner vos baits. Ah ouais, mais Sengoku. Laisse. Vas-y. Sengoku. Attends. Vas-y, prends-le frère, par contre, hein. Dépêche-toi, hein. Bien joué. Ok, allez hop, pour vous les gars. Allez. Bon bah on continue. C'est où ouais. Attends, il est où Sherim? Mais il... Hein? Ah bah Sherim a fait un bug. Sherim, c'est quoi son rôle de fou? Mais pour un verbio, faut le faire quand même, hein. Ah c'est surtout qu'il y a les deux autres à côté quand même. Je te donnerai pas d'ordre sur mon rôle. Hein. Ah tu devais tuer Sengo. Mais t'es Attends. Je suis 3 pièces. À ta fortune du coup. Ils sont partis par là du coup. Attends Valier, tu connais le mode de jeu toi? C'est quoi le rôle qu'il veut? Pourquoi il devait tuer absolument Sengoku? Parce que les Zoro, il veut stack des pourcentages, voilà. Non. Et il a dit je suis 3 pièces hein, pour donner un indice. Je vais te comprendre Armis ce que tu m'as montré tout à l'heure. En gros, s'il tue des gens avec une de ses épées, il gagne des pourcentages. Attends, sur force de speed. Ah mais oui, il a deux épées putain. 3 épées même figure-toi. Oh oui là. Non, mais attends, du coup, on a vraiment. Mais on est en train de faire l'équipage là, c'est abusé. Attends, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Attends, on a Zoro, Nami, Chopper, c'est énorme, ok. C'est vraiment ça qui se passe quoi. Les bots, merci. Par contre, Sherim a un bon rôle du coup, parce qu'il a un bien mis aucun. Ah bah oui. Quand je l'ai tabassé, il s'est coincé dans une cobweb. Ah ok, ah oui, d'accord. Enfin, il était pas heureux le cousin. Cobweb. Il est comme pour tuer Mio qu'il faut. Alors pour pas être trop quand t'es mieux que ça abusé, ouais. Faut des cobwebs du coup. Mon rôle il tape dur, hein. Bon bah allez, go attends. Allez, go 0-0. Ah, mais c'est peut-être lui le kid. Ah bah. Mais gros bouffon. C'est qui était avec gros bouffon en permanence là, tout le temps? Attends, c'est qui? Je sais pas. C'est pas Alex? Alex, c'est Alex. C'est Alex, ouais. Ah, c'est Alex. Ah oui, ok. Bon, allez, il y avait pendant un moment que Rosensei avec eux. Ah, mais Garp il est mort par contre, donc c'est pas lui. Merde, putain. Ça te met aussi toi, Nanguil? Bah ouais, hein. Mais moi? Ça met 1,5 moi. Arrêtez de vous donner des coups, les gars. Attends, on en a tout plus que tu veux. À l'infini, ouais. À l'infini. Mais il avait pas un casque, l'autre? Oui, il a l'infini. Ah, il y a des gens à droite. J'ai pas le temps de tout régler. Ah, mais Svite, je crois. Svite. Svite déjà. Ah, mais Svite avec qui? C'est par Benoît, c'est le clan Benoît là, ça me tout. Ah mais attends, on peut aller dans le fight. Attends, viens, on peut aller dans le fight. Vas-y. Ouais. Mais attends, on fightait pas. Non, mais t'inquiète. Mais t'inquiète. On peut aller dans le fight. Avec Alex, on peut aller dans le fight avec Alex. Oui. Mais je fais quoi, frère? Bah, t'es avec le Kobe toute la game quand même. Mais attends, c'était qui déjà? T'es gros bouffon.
Mais j'étais carrément pas avec lui. Je sais pas, j'étais, c'est j'étais toute la game avec Vodka et puis CLS qui lui a. Mmh. Et carrément, mmh. J'étais avec CLS qui lui a et je m'étais fait attaquer par Sam Sameux. Mmh. Et carrément, bah je m'étais fait buter, mais il s'est passé un truc. T'as fait Rez? Ouais, en gros, genre. Ah ouais? Ouais, ouais. Il dit qu'il s'est fait Rez. Je connais le lot. Je connais le lot. Bon bah voilà, on arrête de l'attaquer. Bon, bon, et du coup c'est pas du tout lui qui était avec le garde autour. Ou alors le Kobe non, a juste pété un plomb venez, alors venez, peut-être. Il y avait nous bots derrière que Papyrus, enfin que non, tous les mecs là ils avaient dit qu'il était méchant. Ah, ouais. C'est comme ça que je savais que Sam Samu il était barbe noire. On s'était fait attaquer avec CLS. Après on en est trop du coup. Hein. Voilà. Bon bah force à toi. De plaisir. Guil, tu veux des diams ou pas? Pour faire un casque? Ouais. Ouais vas-y hein. Ah bah il allait se suicider sur eux comme il m'a dit. Merci Griffon, c'est gentil. Bah en fait, merci beaucoup. On va faire une petite gap. J'en ai pas assez. Bon j'ai pas de quoi l'enchanter, hein, tant pis. Hein. Hop. Attends, faut qu'on les retrouve. Merde, attends, on les a perdus. Pas possible. Hein. Ah non, Frito aussi là, c'est bon, c'est bon. Y'a un valier qui triche, il mange en courant. Quoi? Oh le triche. C'est faux. Ah, c'est cette fake info. Voilà, info de merde. Bah je vais aller sur ton stream, je clip et je vais envoyer. Bah y'a plus un rediff, dommage. Bah attends, je vais le faire maintenant. Non mais elle est buggée, tu peux pas. Ah ouais. Putain, mais le dernier qui m'a dit ça, c'était Lux Papyrus. Ah y'a un casque. Bah c'est vraiment oh ma dieu. Bah attends, c'est la robine qui est morte ici. Bah ouais hein. Ok. Bah les gars, ils sont pas loin les gens. La robine est morte ici. Bah oui, mais de toute façon ils étaient ici hein. On venait de les croiser. Putain mais leur groupe à eux par contre, j'ai elle hein pour les tuer hein. En tour de zéro, non on a pas un frère, mais avec plaisir que je les fight, mais ils sont y'a, où y'a quoi comme rôle qui a résistance chez eux? Aucune, je connais pas. Ah, les gars, ah, les bon, gars, y'a voilà. Un méchant ici, y'a un méchant ici, y'a un méchant ici. C'est qui Ah, c'est... Ah, faut qu'il a pris un désolé. C'est qui pensait ça? C'est tout le groupe du zéro qui nous ont donné toutes les infos hein, sur les méchants et mais tout. Mais si vous avez toutes les infos, c'est-à-dire que les infos sont plus. Puis c'est pas grave, si c'est une info loufoque, on pourra tuer Lux Papyrus comme ça. Ah, ouais. Bah, ah bah non, bah ok, stop c'est quoi, wesh. Stop, il est très gentil. Stop, il est, gap, il est gentil, ouais, c'est cool. Attends, tiens, t'as besoin de heal, ne gap pas. Tiens. Ne gap pas, t'inquiète, je suis wesh. Là pour toi. Ah. Salut Papyrus, merci pour l'info sur nos bots. Alors, pas mal l'info sur lui. Deux secondes les gars, peut venir deux secondes? Oh, ouais, si tu veux. Non mais non. J'ai besoin de quelques personnes. Toi t'as des infos. Bah pour faire quoi? Bah en fait, le problème c'est que j'ai tué... Alors je vais vous dire un truc. Ah parle, allez, abrège. J'ai tué Jinbei, c'est bon? Bah oui, alors. Et le problème, c'est que j'ai plein d'autres infos. Bah tu meurs pour ton kill. D'accord, bah c'est quoi tes infos? Vas-y, c'est quoi tes infos? Donne. Ah putain, mais... Donc, Lurgar, 100% méchant, parce que là, il est vraiment... Gréléphant, on l'a tué, mais... On sait. Gréléphant et truc. Ensuite, on va rajouter Nodium. D'accord, merci. Nodium. Ensuite, tu rajoutes Gozu. Nodium. On sait. Nodium qui est juste là. Allez, au revoir, tu peux... On est 5, Papyrus, on est 5, au revoir. Mais attends, mais il a Jump Boost, c'est Luffy. C'est pas Luffy. Niquez-vous! Ah non, bah, bon, c'est Blueno, c'est Blueno! Mais non, je suis pas Blueno! On est vraiment Luffy, hein! Bah ouais, c'est. Mais putain, je vous ai dit depuis le début de la game que j'étais gentil! Bah, bon, bah je sais c'est pas, c'est bon, tu l'as dit alors! Je savais qu'il pouvait m'innocenter! Non, mais c'est non, Luffy, mais c'est non, Luffy. Il est gentil! Mais il est gentil! Mais venez, on tue Papyrus, vas-y! Eh les gars! Aucun problème qu'on tue Papyrus, allez, on y va! Parce qu'à chaque fois qu'il fait ça, il est solo! Ouais, ouais, allez, c'est bon! On y va vraiment, hein! Oui, mais bon, on dit. C'est bon, il en a dit 40 000. Il est juste là, là. Eh, mais je m'en bats les couilles, moi. Je l'attaque, hein. Moi, je m'en bats les couilles, hein. Mais il fait que des fixes infos depuis tout à l'heure. Ah, j'adore. Pourquoi vous l'attaquez? C'est terminé. J'adore Frog ce rôle-là. Putain. Ça y est, frère. Il dit de la merde depuis le début, donc c'est bon. On a des méchants, il y a Gosu. Ouais, on est au courant, on sait bien, on sait bien. On les a vus. Je mords le temps. Non, il est vraiment si. Il a tué un safe, il a fait proc le Gear 4 de. Quoi? Tu veux voler? Sais-tu voler? Eh bah tu vas voler. Il est god du top, hein, j'y crois pas. En vrai, il y a un monde, hein. Ouais, mais non, il s'est pas activé, c'est même pas activé. Si, 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 il s'est activé. Et comment tu vois les events aléatoires? Tu fais slash event avec S. C'est là, moi, on le suit vraiment, du coup. Il est pas activé, hein.
15%. 15%. Ah, ils sont en train de le fumer du coup. Vanier et Brooke. C'est quoi qui me met poison là? Vanier, tu m'as volé le kill, enculé. Oui, mais bon. Non, mais attends, on est vraiment en train de faire l'équipage là, du coup, ça veut dire. Gars, ça... Mais Vanier, attends, c'est où? Ah, c'est une zone, ok. Ah, oui, c'est une zone. Mais t'es Brooke. Brooke, Zoro, Chopper, il manque que toi. Il manque que toi, mec. Tu sais me heal. Non, merci. Il manque que toi et on a tout l'équipage là, c'est parfait. Attends, mais il faut qu'on récupère nos diums là. Vous auriez pu comprendre. Bah oui, mais le problème c'est qu'on récupère. Enfin, si on commence à monter tout l'équipage, ça va commencer à poser problème. Genre là, on vient d'éliminer un membre de l'équipage quoi. Quand on a attaqué. Mais oui, mais... Ah, mais c'est pour ça que tu faisais ça, tu jouais ton vieux rôle de connard là. Mais tiens, hey, tu mérites que ça là, tu mérites que ça. Il est encore en train de faire son RP de merde là, tu mérites que ça là. Quand on a attaqué nous bots, y'a un truc qui s'est passé. Oh les gars, vous voulez trouver qui? Bah, remets sur Eri, je pense. Ouais, mets sur les marines en vrai. 270. Tout droit. Ok. Ah bah courez. Mais comment ça courez? Comment ça courez? Ah non non, on est gentil, on est gentil. Ah non, mais t'inquiète hein. Vous inquiétez pas, on connaît tous nos rôles hein, donc vous inquiétez pas. Sauf moi. Ici, c'est, ici on est les Mugiwara. Ouais, voilà. On est les Mugiwara, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oh putain. Allez, bah, bonne chance les gars. Bon, on veut de la gauche. À gauche là? À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Valier, 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 vous partez là. Valier. Naruto, Boruto, Boruto, Boruto. Oh, il casse trop les couilles. Vous êtes 4 hein. Dites vite. Bah, Boruto. Ouais. Oh, allez, go à droite. Ils vas-y, mon frère, ils sont trop gênants. Ils sont juste là, ils sont juste là. Ah, oui, ils sont juste là. Ils jouent même pas. Non, non, ils se mettent juste invisibles là, ils jouent pas. Ils ont fait ça depuis le début de la game. Bah j'avoue c'est très grave. Qui a besoin de heal? Arby t'as fait tout le tour. Je suis full vie. Ouais. Vous êtes full vie derrière là les deux? Ouais ouais. Moi j'ai moins de cœur. Tiens. Oh, oh le flop. Êtes... Merci. Ceux qui sont salut. Groupe, allez là, c'est le moment de jouer les marines. On se réveille, on trahit, on joue parce que sinon on va pas. C'est fini. Bah du coup non. Bah force hein à toi mec, force à toi. Bah force ouais. Y'a personne. Mais... Y'en a il se paye de n'importe quoi. Y'a Alex, il nous suit les gars. Guild derrière toi, derrière toi. Derrière, derrière les gars, derrière les gars, les gars. What? Alex, je suis vraiment bon. Allez. Ça va les gars? Non, jamais ce mec, c'est bon. Hop, moins un. Ah, c'est la trahison avec Lopez qui l'a fait. Non, mais attends, il faut aller avec Valier, avec Valier. Les gars, les gars, les gars, vous partez tout seul. Army! Il casse les couilles. Big Moon. Attends, mais Army il est en train de se taper, viens. Bon, on va envoyer Army, allez. Il casse les couilles, le vieux City là. Le vieux City. Il était Big Mom. Oh, Yago et tout derrière. Bon. J'ai pas compris. L'autre il t'a tabassé. Les gars, c'est bon. On a le dernier membre de l'équipage. C'est sans léger. Non, putain, c'est trop une singerie. Non, c'est vraiment trop une singerie. Oh, le bonheur, il a pas eu les gaps. Depuis le début, on a vraiment l'équipage ensemble dès le début. Non, mais c'est trop une folie, quoi. Attention, j'ai eu les gaps. Mais oui, en fait. C'est n'importe quoi. C'est juste que je peux plus en avoir. Ah, d'accord. Début de game, Army. Qui est pas full vie? Ouais, j'ai speed 3 et tout. Je fais non, t'as speed 1. Venez, prenez du heal. Ah, mais j'ai même pas fait attention à ça. T'as besoin de gamme, kill de... Ouais, j'en ai, vas-y, un peu, ouais. J'en ai 12. Attends, heal, faut que tu mettes groupe de 3 même. Bah, j'avais un stack. 4. Oh, le P3. Il reste 4 marines donc. Ah, ouais, mais les autres ils sont beaucoup, non? Vas-y, je mets groupe de 3. Groupe de 4, allez. Faut mettre groupe de 4 ou 3 en moins. 4 au pire. C'est slash G74 que tu dois. Slash G74, G espace 7 espace 4. Et du coup, ça veut dire que quelqu'un doit partir. Ah, le problème, c'est que si on doit mais partir, pars, au pire rôle. Allez vous faire foutre, hein. Je remets G5. J'en mets le groupe de 5. Allez vous faire foutre, je remets le groupe de 5. Je vais survivre. Au pire, on fait une game, groupe de 5 toute la game. Allez, on fait ça. Au revoir, Valier. Au revoir, Valier. Ah. J'espère que c'est. Ah, j'allais dire, j'espère que c'est pas Eri, mais bon, Eri il est mort. Mais du coup, bon, Alex est méchant parce qu'il a j'ai tué. Bon, après, on pouvait rien faire là. Hein. Okay. Mais Alex, on l'avait déjà attaqué en plus. Les Katakuri, Alex. Ah, il y a qui? Il y a Caméléo, ils sont quoi eux? Ah ouais? Alors, ça a été votre fight? Ouais, bah visiblement. Bon, on a tous les Mugiwara nous, hein. On connaît tout le monde, c'est bon frère. on est 5 Mugiwara dans l'équipage. Pas du coup, Valier. Non, mais Luffy n'est pas avec nous. Non, Luffy n'est pas avec nous, c'est le seul. Le capitaine n'est pas avec nous. Ouais, il est Katakuri. Attends, mais la bordure est finie.
Bon, vous avez sauté pas mal de gens quand même. Hein. Ouais, j'avoue. On a tué que des méchants. On a tué que des méchants, vraiment. On a tué tous les méchants, on a tout. Ils sont hop à la limite. Et non, mais de toute façon, en fait, les gars, peut... tout le monde peut pas être safe là, hein, donc on va dire comme ça. Bah, nous, en fait, c'est très simple, nous, on se connaît nos 5 rôles, hein. Donc bon. Y'a pas plus safe que nos 5 rôles, donc bon. Oui, plus 4, oui, avec Valier en plus. En fait, c'est simple, attends, il reste 10 pirates. Il y en a 6, on connaît les rôles dans les 10. Il reste Lo, Trafalgar Lo, Hawkins, Killer et Eustace Kidd qu'on a pas. Ok, d'accord. Merci Solir. Je suis nul au mode de jeu en fait. Putain. Non, mais t'inquiète, t'as pas tout. Moi, t'inquiète pas, moi aussi, je suis nul au mode du jeu. T'inquiète pas, je le connais pas le mode de jeu. Mais attends, mais on est passé à côté de lui. Allez hop, on va, voilà, allez. Ouais, mais il s'infiltre. Ah. Allez, venez, on va taper là, venez. Non, mais c'est ça, il est gars, c'est le 4v4, frère, il veut le course. Il est méchant lui, non? Attends, mais il est méchant lui. Mais il est méchant. Bah, il parle pas surtout. Ouais, ouais, mais y'a ces. Y'a ces mecs qui suivent. Go, go, go. Voilà. C'est bon. On a gros une team de 3. Ouais, on se retourne, y'a une team de 3, et là, y'a encore une autre team de 3. Bien, les gars. Super fun. Génial. Tu es SV. Vraiment, c'est vraiment ça. Hein. J'ai pas utilisé une seule fois mon pouvoir. Aïe. Oh putain. Ok, Marco. Je sais plus, il fait quoi mon pouvoir là? Je sais plus. Non, mais le vole pas! Let's go! Je suis les bords. Non, tu parles sur lui maintenant! Sur lui! Vous voulez ah oui, pas c'est ça. Depuis le début de la game aussi. Lafitte. Lafitte? C'est marrant qu'il ait été tué par un belge alors qu'il avait le rôle Lafitte. On a perdu un belge hein, derrière. Tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends, je lui fais le petit poussé. T'es fou lui, chérie? Je parle à Guild, je parlais pas de toi. Ok, my bad. T'es full vie, chérie? Ah oui, je suis full vie, moi. Ça casse les full vie, 45 gars. Venez, on finit la game là, c'est bon. Hein. On peut plus. Il reste 12%. On a perdu Army, tant pis pour lui. Il est cramé, tellement il a pas joué. Bah, ça va être au groupe de 3 de toute façon, je crois. Mais oui, le mec, à chaque fois, on attaque dans son groupe, il fuit. Genre, je sais pas ce que même à demander si c'est pas fait un fou. Ouais, comme ça au moins. Army, c'est exclu tout seul. J'ai envie de me servir d'un pouvoir que je me suis toujours pas servi dans la game. C'est vraiment le rôle le plus guest de l'histoire. Hein. Ouais, moi par contre, mon rôle est incroyable. On est en train de tuer Gozu. Vous le fumez là? Oui, mais vous pouvez pas venir, on est déjà 3. Ah merde, bon bah, à fun. Sauf si vous êtes méchant, hein, mais sinon vous pouvez pas venir. Non, moi je suis vraiment chaud de Caméléo, t'es méchant? Bah non, je vais juste aller les voir en fait. Oh bah, il est méchant Caméléo. Mais Fritos, tu cours vite, papa! C'est qui est méchant? Ah, y'a Loirgar! Loirgar, le petit sweatier! Bah ouais, mais mec. Après, c'est leur faute, hein. Depuis le début, ils se mettent invisibles en boucle alors qu'on est en peut les fight, hein. Donc bon. Ah bah ouais. Oh, vas-y. Bonjour dans l'équipe, pour une fois. Oh, vous avez pas infecté? Bah, le problème, c'est que les mecs infectés, c'est vraiment Shirim, Army, Fritos. Deux mecs sont déjà morts, quoi. Bah, et puis, à un moment, vous auriez pu. Mais non, sur un autre griffon aussi. Comment j'ai faim, bordel? Je sais qu'il y a un groupe qui voulait m'infecter. J'ai la dalle, là. Et tout, ils voulaient m'infecter. Mais pourquoi ils courent même? Il y a des gens encore dans la game, là? Qui peuvent l'aider? Bah, j'ai encore des mates, mais... Trouve-les, quoi. Dorme. Attends, il y en a encore combien? Ah oui, on a encore 3. Attends, ah oui, encore méga... Non, c'est pas possible. Encore 3, hein. 120 minutes de jeu, bah, mec infiltré en One Piece. C'est qui les mecs méchants quoi, parce que... Les mecs méchants, il y a Alex. Je l'ai vu dans un groupe il y a pas longtemps. Hein. Il y a Alex, il y a Durgar. Ah, est-ce que le mec a infiltré? Hop, merci pour le heal. Merci au client. Hein. Merci pour les 10 gaps dans le stuff. Par contre, bon, il est trop bien. Genre, il est trop Pokémon. Ouais, bah la même que toi, mec, t'inquiète. Mec, je peux me foutre en invi, j'ai force, j'ai no fall. Moi je peux me foutre en l'air. J'ai fait ton truc, finalement. Tu peux te foutre invisible, moi je me fous en l'air. Ah, on a pas la même. On a pas la même chance, hein. Ouais, je te jure, hein. Vas-y, tape-moi. Merci. T'as besoin de vie? Ouais, franchement, j'ai moins 0,5 cœur là. Ah bah, je peux te heal, t'inquiète. Non, t'inquiète, j'ai full vie en plus. Attends, t'es solo, là-dedans? Non. J'ai encore 2 mètres, mais ils ont disparu. Ok.
Le frérot là. Eh les gars, dans les saves qui restent, on connaît 6 rôles sur les 10. Voilà. Il y a Qthunder qui est déco, donc vous devez enlever un save. Ouais, mais non, je comprends, t'en en mets 3. Ah bon, il est safe Qthunder? Oui, 100%. Non, c'est un menteur. Et vous, vous safez? Quoi, Qthunder? Non, je crois pas. Ok. Non, il aurait joué, mais il s'est joué un mini. Attends, on revient, Tony, on arrive, attends. Bon. Boruto. Non. Oh mais non. Aïe. Ah vérité ça. Non mais pas après 30 minutes putain. Viens. Mais venez. Bon y'a un mec encore infiltré apparemment. Mais oui mais attends regarde attends. Parce que Frito Tony va nous donner la solution attends regarde. Alors il est avec vous Tony. Alors oui, je suis là, dis-moi qui tu safe quel rôle. Bah, en fait il y a tout le monde Qthunder est déco et il est Eustace Kid. Okay. Une bouteille il est le mate de Eustace la killer. Ok. CLS il est le gars qui fait le cercle. L'eau. Bah moi je connais mon rôle chauffeur. En fait à part attends ils sont tous méchants. Mais à part nous 7 Valier et Nodium ils sont tous méchants. Ah mais t'es Hawkins, il est Hawkins lui du coup. Oui, yeah, c'est le H. Ouais, bah voilà, bah c'est simple. Voilà, bah tu peux mettre Nodium et Luffy, Vali et Brook, et nous on est tous les restes de tout le reste. Mais du coup, à part nous 7, Nodium et Vali, ils sont tous méchants. Les gars, attendez, vous voulez pas taper quelqu'un là? Bah qui? Bah dans. Taper Katakuri. Mais il est où? Tu sais où il est? Non, genre juste le taper, genre. Genre vous me tapez moi. Mais t'es Katakuri? Non mais non, attends, mais non. Tu me dis quand? Tu me dis quand? Mais par contre on est trop. Ah bah. Vas-y, fais-le. Les gars, on va sur qui là? On fait notre groupe nous. Ah bah, c'est groupe de 3 maintenant. Bah ouais, mais Army il était parti avec Tony, dommage. On va sur qui les gars? J'ai une petite commande là. Vous avez pas un méchant dessus au pire? Bah tout le monde, littéralement. Tout le monde, en fait. À part Nodium et Gozu. Gozu il est trop chiant, vas-y Gozu. Vas-y, vas-y. Mets sur Gozu. Tu nous dis. Coupé pupette. Valier l'a trahi. Gozu. C'est bon? Hop, attendez, je me mets dans un coin comme ça vous me connaissez. Du coup c'est en haut, le numéro, ouais. 3, 2, 1, go. Hein? Ah oui, il prend 0 dégâts, ouais, ok, effectivement. Vas-y, tabassez moi. Combien de temps encore? Mais les gars, là, il a 4 ans. Je vous dis quand vous stoppez. Bah, il est mort. Bah, il est mort, je pense, hein. Regarde, il vient de déco, donc je pense qu'il est mort, hein. Non, c'est pas Gozu, c'est Gozu. Non, c'est pas Gozu, c'est Gozu. Non, arrête. Pourquoi Vous arrêtez pas? Je lui veux être 7% les mecs, je lui veux être 7% wesh. Putain, je suis dégoûté, je voulais le tuer. Il est pas mort en tout cas. Je lui veux être 7%, du coup vous allez le tuer. Non, bah attends, il attend qu'il y a tous les dégâts là. Mon micro qui a plus de batterie pile quand il y a plus le... 200-130, venez. Allez, on y va. Bah tout droit. Je suis à 69%. Non, par là. Si, par là. Tout droit. Non, je suis encore j'ai entendu que c'est game sur Alex parce que... Et t'es full vie Shalom ou pas? J'ai moins un cœur. Tiens. Ah. Malaise, hein. Ah, c'est bon. Et merci la carpette. Et moi, tu pourrais pas en poser par terre des fois un peu partout? Non, parce qu'en fait, c'est une fois toutes les 30 secondes. Ouais, mais justement, tu t'es... Bah écoutez, il était ici. Tu la poses, tout ça. Nagato ou... Ah non, mais il a dû tuer Vali, en fait. Il avait... Normalement, il était ici, mais... Oh là, je pense, de ce côté. Bon. Ah ouais. Ah, qu'est-ce qu'elle chante la game, frère? Cette game, j'ai rien compris. J'ai rien capté à la game. En fait, les méchants ils jouent pas. Ils se mettent invisibles dès qu'ils vont au groupe. Je sais, mais j'étais sur leur spec, ils ont dit qu'ils jouent pas. Jam, viens, montre. C'est qui t'a pointé d'ailleurs? C'était Alex. 31-07 machin. En fait, les méchants ils veulent trop jouer l'infiltration dans ce mode de jeu alors qu'on n'est pas en LGUHC quoi. Et du coup, bah. Bah, Alex c'est Van Augur ou Deku à mon avis. Il avait trahi avec lui. Ah, mais non, même pas. Il avait trahi aussi. Mais il avait trahi avec Big Moon, c'est ça que j'ai pas compris en fait. Bah, il est. Il reste Crocodile et Roblucci. Donc, il doit être l'un des deux. What the... oh, bah... Ouais, bah, il est l'autre. Mais lui, il était encore infiltré. Ah, c'est lui qui était vraiment encore infiltré, genre vraiment. Et c'est pour ça que Eri il est passé à côté. Et il a dit faut nous aider et tout le monde a dit bah non. Re les mecs. Tout le monde leur a dit ça. Ouais, on a tué les deux là, les deux. Super. Bah nous on cherche encore le reste. Hein. Du coup il reste Gozu, le reste là, de l'assiette. Gozu, non, Gozu, Alex Lurgar aussi. Et Alex. Alex il est quoi par contre? Okay. Dernier marine je pense. Ah,
Parce que en fait moi je l'ai j'ai trop pitié. Oui dernier marine. Je l'ai relouché. J'ai eu trop pitié. Ouais, on s'est fait un... on s'est fait 2v5 et du coup je l'ai raise. J'ai le seum que ça méchant putain. Dans votre groupe, vous êtes sûr à 100 mais vraiment 100% vous trois là. Ah mais oui, mais oui, mais attends. Je viens de te dire Nami Sanji hein donc Nami Sanji Chopper. T'as besoin de heal hein. Moi si vous avez besoin de heal vous me dites hein. J'en ai 12. J'en ai 13. Non non, mais je parle de ça hein. Ah. Il a cassé la carpette. Quoi? Ouais, t'as cassé ma station de soins. C'est quoi? Mais c'est trop, mais ça a l'air trop bien de Chopper. C'est trop non, c'est de la merde. Non, non, hein, c'est... non, non, hein, vraiment. Me dis plus jamais ça parce que je me. Là, ça fait une heure et demie que deux heures que je dors là, donc non. Oui, bah écoute, hein, on échange de rôle, hein, pas de problème. C'est OP, hein. Sandy, c'est broken. C'est OP, il a dit. Hein. Bon, on échange de rôle si tu veux. C'est OP, c'est OP. Bah vas-y. Non, ça va aller, t'inquiète. Moi, j'ai un effet. Moi, je peux avoir un effet. Non, moi je peux avoir un défi, moi je peux rien faire moi. Moi je vais me faire foutre, je peux carrément, mon pouvoir il me donne slowness carrément frère. Comment c'est possible? Ça va, tu l'as pas la slowness là. Ouais, j'ai aussi une slowness pour mon pouvoir. Parce que j'ai jamais activé mon truc, une seule fois. Ah oui c'est vrai. Je joue un SV depuis le début là. Ok c'est bon, je vais pouvoir utiliser mes double jump. Oh, je vais pouvoir couper le rec et avoir plein de FPS, regardez les amis. Oh les FPS qui pleuvent. Il pleut des FPS. Bah sinon c'était quoi vos rôles à vous dire? Bah Sanji, Nami, Chopper. Ah ouais. Okay. Tous les safe. Ouais, bah ouais, on bah, a eu un groupe de 5 au début. Je l'ai compris que trop tard, mais le problème c'est que du coup j'ai un peu trop de la gamme. Oh là, y'a Gozu! Y'a Gozu. Oh c'est un zip, c'est enfoiré. Oh oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils sont deux. Gozu, le regard. Oh allez. Là. En fait, s'il veut pas nous fight, il veut le fight qui même en fait? Je crois que tout le monde s'en fout. On avait les coups, on allait le tuer là. Putain. Ouais, bah vous avez pas. Mais Army il est dans un groupe de 3 aussi, hein, ça change rien. Hein. Faut aller à gauche. En vrai, ouais. Ouais, de fou là. Ta mère, bon, bah, allez, viens. Non, c'est t'inquiète, je fais kamikaze, mais... je fais kamikaze. Ah, c'est bon, tu peux. Wesh. Tu peux pas venir, Ami. Hein. Tu peux pas venir, mais... Ah, c'est... Ami, c'est fait infecté, c'est fait infecté. Ah oui. Ouais, ça a marché. Ah non, il est mort. Mais c'est pas, il est mort. L'autre il est mort, l'autre il est mort, non. Non, c'est impossible. Ah, il est pas mort, désolé. Ah, tu le vas-y. Mais pourquoi? Oh merci Gil. Quoi? J'ai rien fait moi, pourquoi tu me dis merci? Mais parce que c'est ton rôle. Hein? Tu m'as fait revive là. Ah mais non, y'a pas de revive hein, avec mon rôle là. Si. Oh putain. Mais comment ça y'a un revive avec mon rôle? C'est mon avis. Ouais. Oui. Je suis en avis. Ah bah là je suis mort. Ah il est mort. Quoi? Oh non. Ah les gars. Tempo, il faut les... Je suis là, fight. Oh je prends cher. Oh chéri, putain. Oh lui là, parfait. J'ai full heal. Ouais, j'ai rien du tout moi. Il a rien. Je suis là, t'inquiète, je t'en prends l'autre moi. Vas-y, t'inquiète. Mort. Vas-y, viens. Et il est où, Roblucy, frère? Hop, merci pour mon heal. C'est qui Roblucy, bon? Chopper, le rôle pété. Putain. On sait pas c'est qui Rob Lusty. Si, c'est Alex. C'est trop fort, frère. Il était sous terre, frérot. T'as c'est Alex. Non, Alex, il est en sneak sous terre, il t'aidera pas. Mais c'est merde. Oh, ah, c'est pas une blague. Sous terre, frère. Faut lui expliquer Jul. Ah, viens, finis, frère. Il est en sneak, il attend, le bon moment. Ah, ouais, j'ai aucun. Oh, le boost, gros, je l'ai fait. Mais attends, cette lap. Ouais, je t'avoue, de ouf, hein. Ce robot. Attends, il manque d'huile, hop. Putain, j'ai récupéré un stack de gars pour ça, quoi. Bah oui, moi j'avais un stack de gap aussi, t'inquiète. Ouais, bah non. Bah c'est toi, c'est tes gaps que j'ai récupéré. Oh, Gil, putain, j'ai perdu un demi-cœur. T'en avais 3, t'avais où? Ouais, je vais y aller. Non, je peux pas te le mettre encore. Non, mais j'ai perdu un demi-cœur quand même. Ah, mais d'accord, c'est bon. Tu veux du heal? Oui. Ah, donc non. Je viens de perdre moins de 2 cœurs. Ah, oui, c'est mon pouvoir. Parce que t'as mis combo de 3. Eh oui. Ah, ouais, mais c'est cheaté pour Chase. Non. Oh non, y'a Goussi, il va mourir. Par contre, je prends. Tu prends le kick de dégâts mais tu prends pas le dégâts. Aïe, c'est bon. Ah mais attends. Mais oui du coup c'est broken. Non, vas-y. Vas-y. Comme ça c'est... Oui c'est vraiment ça. Mets lui deux coups de main et le troisième tu mets un coup d'épée. Passe devant moi Shaim. Vas-y. Ah t'es trop loin. Allez, je peux... Mais je crois que c'est la range elle est... C'est bon qu'ils ont pouvoir par contre hein. Bah parce que je mange. La range est énorme hein. Ah ouais. Ah bah oui, je l'ai pris tout à l'heure alors que j'étais à 15 blocs.
Mais vous voulez pas dire à Alex de sortir, je prends des drops d'huile. Il est sorti, il est sorti, il se promène là, t'inquiète, tu peux le trouver. Vas-y, je... dès que je le trouve, je drop d'huile, on fait un fight. Tu vas drop d'huile un mec qui est pas de ton camp? Ouais, je sacre Steam. Ça dépend, hein. J'ai le pas eu cross team. D'accord, pardon. Tu seras mort avant. Je crois pas, hein. Eh, Tony, sois utile, trouve Alex, s'il te plaît. Vas-y, si tu veux. Envoie lui un message de ma part. Ah mais y'a les missionnaires qui veulent tuer. Gosso, tu veux pas te tuer, genre tu turn au pire. On en peut plus frère hein. Ah ça y est, il est là, OMG, on peut jouer, j'en reviens pas. Let's go. Alors attends, faut que je change tout mon stuff, chef. Non, non. Y'en a un qui peut venir, ouais. On est deux. Regarde mec, je change tout mon stuff. Wesh. Allez, vous pétez les couilles. Allez, volez tous. C'est bon, frère. Comment on fait, c'est ouais. Pas toi qui a une... Oh, wow. Oh là là. Mais pourquoi tu fais ça, frère? Je teste mes pouvoirs, c'est... Tu veux pas venir fight avec nous, plutôt? Vas-y, bah, il fight, hein. Il va bien. Bah ouais, du coup, c'est toi qui dois taper, hein. Touche pas, Alec. Comment on fait? On est trop buzz roll. Alec, je fais revive tout ça pour que tu me trahisses. Ouais, bon, t'as été... Fais gaffe, vers toi. 85, 75, il tank 72. 40. 39, 22, 10. Ah bah je peux même pas utiliser. Allez, ouais. pas comme ça, bon allez. 80, il a résistance non? Tant que sa mère hein. Enfin, j'ai revive à Katakuri. Enfin, je fight enfin dans ma vie. Incroyable. 405. Oh là, enfin la game est finie, putain! J'en reviens pas, frère, ça a duré tellement longtemps! GG, GG! 1009, j'ai faim, frère! Ça fait 4 heures de stream bientôt! J'ai servi à rien de la game, ouais! Pour ma défense, j'avais aucune info de la game, j'ai même pas eu la liste. Je comprends, je comprends. J'ai pas eu la liste, je comprends, je comprends. Tu pouvais rien faire, ah, j'ai servi à que dalle pour cette game. Mais en vrai, l'équipage de Barbonan, à chaque fois qu'on les voyait, ils se mettaient invisibles et couraient alors qu'on avait un groupe de merde, franchement. On les a croisés. Ils nous ont attaqué, on pensait qu'ils étaient pirates. On fait, bah si vous êtes, si vous êtes barbe noire, ça sert à rien de nous tabasse. Ils nous ont tabassé. Non, puis même à un moment donné, vous passez à travers plein de marines, vous dites aidez-nous, il y a personne qui vous aide. C'est ça, meilleur. Ouais. Moi je peux dire à la fin, j'étais dans un coin. Il y a quand même Sherim qui a tabassé. Sherim il a tabassé. Vas-y, vas-y. Mais bon, j'ai un rôle de merde. Hein. On arrive pour le clean et. Ok, t'as pas des trucs là. Attends, mais c'est quoi cette merde? Mon pouvoir il est vraiment à chier en fait. Ton pouvoir il est automatiquement, je crois. En fait, tu feras Mugiwara automatiquement. J'ai dit qu'il était encore infiltré. C'est une théorie. C'était qui encore? Il voit ta vie après, il peut jouer avec ça. Ah frérot, on dormait fort hein. Cette game, j'ai vraiment servi à rien, c'est un délire. En fait, je t'explique, notre game ça a été attendre de voir chaque début de journée. Je la folie, ça y est. Comment tu viens? Moi j'ai vu. Eh Gozu, tu sais avoir un truc ou pas? Ça fait quoi du coup de choper? De la merde hein. Mais je sais pas pourquoi. Il va me tuer. Bah vas-y, explique quand même, on sait jamais, même si c'est de la merde, explique quand même. Enfin, j'ai un tapis qui me heal hein. Non, ah, non, mais ça c'est pas moi, ça. C'est pas moi. Si, hein. Ah oui, c'est pour ça que je trouve que c'est pas moi. Mais c'est pas écrit dans mon rôle. En gros, quand t'as un Mugiwara qui meurt pas loin de toi, il meurt pas tout de suite. Ah, mais il oui, a c'est vrai, oui. C'est pour ça, si, c'est vrai. Que, c'est pour ça que moi j'ai tanké autant. Quand vous m'avez sauté à oui, c'est vrai. Mais il va me tuer là. Il va me tuer là. Ah, mais c'est pour ça qu'à la fin je pars tout de suite. Si t'avais tué un mec, t'aurais spawn. Ouais, ouais. Mais arrête de jouer. Le problème, c'est qu'il y avait personne à tuer en fait. Pour moi. Si, t'as tué. Allez, Gil. Pour tes coups. Army. Non, c'est, c'est pas Guile. Ouais. Bien. Les coups ils vont très très bien, j'ai pas d'effet. Oh là là. Oh là, il vient de me tuer. Il vient de me tuer, bah il me tue. Hop là. J'ai plus de gamme. Refoule vie. Ah, mais ça tue. Bah non, mais bon, je me suis heal ce qui me manquait quoi. Ça me heal 1,5 coeur et mes mates allaient heal 2 coeur et demi. Par tapis. J'en ai un infini. Un infini, littéralement. Ouais. Les infos que mes là, regarde. Non, mais, non, non, c'est vraiment nul à chier en vrai. C'est le seul truc, ça a aucun effet, ça a rien. Là, c'est juste que la game en vrai est. Tu m'as mis trop mal. Là, mais regarde, regarde. Là, je peux en reposer un dans 2 secondes. Non, on attend que ça se recharge. Voilà, je peux déjà en reposer un. Et hop, je suis en full vie là. Je suis full vie. Bah, tu m'étonnes que je peux pas te taper. T'as pas la résine et du coup, j'avais plus rien moi. Mais... Hein mais non pas cool lui, c'est un cœur et demi, mais bon il est même un cœur et demi. Mais en fait c'est un rôle, support de fou. Ouais c'est un rôle support de fou, ah mais oui, en vrai, support. En fait tu t'amuses pas trop, je vais pas te mentir quand t'es sur rôle là, tu t'amuses pas trop. Et non, j'avoue que moi mes deux games City World c'était ça plus un rôle support du côté marine, t'avais envie de crever quoi. Le fait que tes mates ne meurent pas à côté de toi ça c'est fort. Je pense que le fils. J'avais complètement oublié tellement on n'a pas vu, mais oui en fait j'ai complètement zappé. Mais non la folie en vrai. Je suis trop content de t'avoir brain.
Mais c'est pas Dream, c'est pas Dream, juste, même moi je savais que t'étais méchant. Mais t'as pas quoi, c'est ma raise. Mais parce que je t'ai fait une promesse, tu m'as dit une promesse. T'es plus de pseudo. Allez, guide. Tiens. Ouais, mais j'ai oublié la raise d'ailleurs. Ah ouais, merci, j'attends. J'ai un pseudo en fait, c'est bon. Je suis aussi bon à faire des packs qu'à être un joueur. Moi j'en ai allé, j'ai pas mis le cul de Hawkins en fait. C'est pour ça que. Et je me suis dit, vas-y, tu sais, moi je suis un mec du dans les games, je parle beaucoup. Non mais tu veux savoir un truc ou pas? Franchement, même si j'étais méchant, mais j'avais pas la liste. Non mais tu sais que surtout, Alex. Surtout que quand je me suis dit, s'il est solo et qu'il meurt au bout de genre 1h30 de jeu et qu'il a rien fait, c'est nul. Genre, je me suis dit, vas-y, fais le. Au moins, s'il est solo, il. Bah, j'étais marine, mais j'ai pas pu jouer. Ah, mais t'étais marine? Ouais, j'étais marine, mais j'avais pas la liste. Vas-y, viens, on va à un endroit mieux que ça. Par contre, l'audio de ton micro, je suis désolé, mais là, c'est insupportable. Ça fait un bruit de fond de fou là. Ah merde, je l'ai pas. Faut laisser le groupe de 5 jusqu'à la fin, c'était plus marrant. Ouais, c'est vrai que c'était plus drôle hein, quand on était 5. Ah merde, y'a pas le stuff de l'autre hein. Tant pis. Ouais, non, à la fin, oui, ils sont arrivés à 2, ils m'ont fait rejoindre moi, j'ai dit bon, vas-y. Il est méchant, il l'a sauté dessus comme un roi. Wesh. Vous savez bien. Wesh. C'est quoi cette histoire? Mon pouvoir c'est pas rechargé? Si. Pourquoi mon pouvoir c'est pas rechargé? Ah si, je venais de la placer en fait, j'avais pas vu. J'avais vu. Le mode est vraiment cool, mais j'y connaissais rien. J'ai pas croisé mes mates une seule fois, mais je suis vraiment bien joué. Ouais, mais on a vu que c'était la galère pour les méchants. On a vu que c'était la galère. C'est pas grave, hein, les gars. C'est pas grave. Moi, j'avoue que mon rôle m'a un peu saoulé là. Franchement, les rôles support. Mais c'est pas toi. Ah, Daling. Les rôles support. Les rôles support, c'est pas drôle. Hein. Franchement. Pourquoi les crédits se chargent pas? Ah, ça y est. Merci Nolibac. Merci beaucoup. Les rôles support, c'est pas drôle, hein, les amis. Hein. C'est vraiment pas drôle. Hein. T'as dit quoi? Pour quand ça cook une City World pour les Demon Slayer UHC? Oh, c'est pas prévu pour l'instant, en tout cas, Kingcott. C'est pas prévu, je veux pas te mentir. En tout cas, pas de suite. J'en ai marre de mettre de l'argent dans des trucs là, j'avoue. Surtout des trucs du UHC en ce moment là. UHC World, j'ai déjà mis beaucoup d'argent. J'aimerais bien me rembourser un peu, tu vois.